Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, money. Must be funny. In the richest girl. Oh, the richest girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money, money. Ils avaient le droit de faire ça. Pourquoi ? Le droit. Money, money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Ben bonjour, je m'appelle Adrien et je suis utilisateur de la monnaie libre depuis donc la Jude, la monnaie libre Jude, depuis à peu près 4 ans, depuis qu'elle est sortie. Et donc je crée, comme tout le monde ici, un dividende universel tous les jours qui me permet de pouvoir échanger librement en économie libre. Je passe la parole à Fréco, à Corinne. Oui, je suis Corinne, moi ça fait 2 ans et quelques que j'ai découvert la monnaie libre, enfin que j'ai fait le nécessaire pour rentrer dans la monnaie libre. Et je trouve que c'est enthousiasmant, donc je suis contente de vous en parler ce soir. Donc bonsoir, moi c'est Fréco. Je me suis intéressé à partir sur la monnaie à partir de 2010. J'ai vu une conférence en 2013 de Stéphane Laborde qui m'a beaucoup enthousiasmé. À l'époque, c'était que pour les développeurs. Donc j'ai suivi de loin, un peu trop loin, et je suis sur la monnaie libre depuis 1 an et demi. Et du coup, ça m'enthousiasme de voir que ce projet prend vraiment forme et qu'on peut l'utiliser au quotidien. Alors moi, c'est Vincent. Et moi, j'ai découvert la monnaie libre en 2014 en voyant une conférence de Stéphane Laborde également. Et comme je suis développeur, eh bien, j'ai tout de suite participé au développement du logiciel qui a permis, 3 ans plus tard, de donner naissance à la Jude. Voilà. Donc, pourquoi la June ? Donc, le sujet de la monnaie actuelle a pas mal été déjà traité donc, sur cette chaîne, mais pour ceux qui rejoignent la première fois donc, cette chaîne, l'idée c'est de faire un petit rappel de 5 minutes de la monnaie actuelle, sachant que la monnaie libre propose de revoir en fait, le processus de création de monnaie de façon égalitaire pour tous et pour les différentes générations. Donc rapidement, donc comment ça se passe donc aujourd'hui pour créer de la monnaie. Donc si vous voulez avoir les informations officielles, hein, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré création monétaire ministère recherché et vous retrouvez directement sur la page du ministère des Finances qui dit dans l'essentiel mot pour mot donc la monnaie est créée par les banques commerciales donc type Crédit Agricole CIC lorsqu'elles accordent des prêts. Donc on voit tout de suite que, contrairement à ce que le terme « prêt » laisse entendre, en fait, ce n'est pas de l'argent qu'elle prête de ses propres fonds ou des fonds d'un autre déposant. En fait, la banque va créer vraiment comme avec un chapeau magique directement sur votre compte, par exemple 10 000 euros, si vous voulez acheter une voiture. Elle va vraiment le créer à partir de rien. Et la contrepartie de la création de cette monnaie, c'est qu'en échange, vous devez signer une reconnaissance de dette. Donc cette monnaie, en fait, elle est créée en contrepartie d'une dette donc équivalente de 10 000 euros. Et lorsque vous allez rembourser en fait, donc c'est le capital donc, du crédit, les 10 000 euros, du coup la dette va être annulée. Donc l'argent va sortir de la circulation. On dit que l'argent est détruit. C'est-à-dire que l'argent il va être créé lorsqu'on émet un crédit bancaire. Et lorsque le crédit est remboursé, l'argent sort de la circulation et il est détruit. Donc aujourd'hui, en fait, il faut bien voir que 90% de la monnaie en circulation est de la monnaie nette, ce qui fait qu'en fait, il y a un équilibre instable entre en fait la monnaie actuelle. S'il y a plus de crédits, la monnaie actuelle va augmenter, et s'il y a plus de remboursements, la masse monétaire va diminuer. Donc
C'est un peu comme une sorte de ballon de baudruche qu'on gonfle et si qui peut se rétracter violemment en cas de manque de crédit. Et pour prendre un exemple concret, en fait, c'est ce qui s'est passé en 1929 après le krach boursier à New York. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plein de personnes qui avaient investi sur les actions avec des crédits bancaires. Donc, avec la chute des cours, tout le monde a remboursé les crédits. Les banques ont fait faillite parce qu'elles ont eu de lourdes pertes. Et la conséquence directe, c'est que donc, les banques ne pouvaient plus faire de nouveaux prêts. Donc, on était dans une situation où il n'y avait plus de nouveaux prêts, mais que des remboursements. Et la brutalité de cet événement a fait qu'on était en manque de monnaie, donc très rapidement, ce qui fait que les entreprises ne pouvaient plus vendre leurs produits. Et, du coup, les acheteurs se faisaient très rares. Les prix ont dû baisser. Les entreprises ont dû licencier, donc chômage, baisse de la production. Et donc la conséquence, et du coup, donc, ce qui s'est apparu, c'est qu'avec la baisse des prix, les gens ils préféraient garder leur monnaie avec eux qui prenait de la valeur, comme on dit, tout ce qui est rare et cher. Donc ils l'ont gardé avec eux plutôt que de consommer et d'investir dans l'économie. Ce qui empirait encore la situation et ce qui a engendré du coup ce qu'on appelle une déflation donc, sur la longue durée. Voilà, donc ça a duré 10 ans. Donc pendant toutes les années 30, c'était du coup la crise économique à cause de ce manque de monnaie. Et c'est qu'en fait la Seconde Guerre mondiale qui a permis notamment aux États-Unis avec la nouvelle abondance de crédit de remettre son économie à flot et de repartir de plus belle. Comme quoi, toujours une bonne guerre. C'est fou d'en arriver là, mais c'est ce qui arrive avec la monnaie dette. Et là, je n'ai pas encore parlé des intérêts sur les crédits. Alors, pour avoir juste l'idée d'impact des intérêts, donc si on prend une économie stable, donc par exemple une petite île déserte isolée, avec des naufragés qui ont suffisamment de production pour vivre, ils sont contents. Ils veulent juste une monnaie pour faciliter les échanges. Et donc, en cas où un banquier débarque et leur propose de la monnaie dette, ce qui va se passer, c'est que chacun va s'endetter donc pour avoir de la monnaie. Le banquier ne va pas demander le remboursement total des prêts, sinon il n'y aura plus de monnaie. Bon, ce qu'il va faire, le banquier, c'est juste demander les intérêts. Donc, petit à petit, en fait, les intérêts vont être récupérés par le banquier, et ce qui fait que la monnaie disponible va progressivement diminuer, en se retrouvant une bonne portion chez le banquier. Donc ici, ce sera un manque de monnaie, mais qui va se faire plus doucement sur le temps. Et on va aboutir à mettre un peu à la même conséquence. Sauf que là, donc, il y aura de la concurrence pour récupérer la monnaie disponible entre les différents naufragés. Certains s'en sortiront, mais d'autres seront condamnés à la faillite et au chômage. Et en fait, en regardant bien, la seule solution pour éviter ce manque de monnaie, bah, c'est de faire de nouveaux crédits. De nouveaux crédits, et qui dit nouveaux crédits, dit encore plus d'intérêts. Qui plus d'intérêts à rembourser, ce qui fait que la production des naufragés augmente. Donc, ils sont obligés de croître leur chiffre d'affaires. Donc, la croissance de l'économie est obligatoire pour pouvoir survivre dans ce système. Donc, ils sont obligés aussi de réduire les dépenses, faire de la pression sur les salaires, et réduire aussi la durée de vie des produits. Favoriser donc le renouvellement des produits, et donc là, favoriser l'obsolescence programmée. Donc là, on voit que du coup, la monnaie dette est totalement incompatible avec la décroissance. Et si quelqu'un vante le mérite, donc il faut la décroissance pour l'écologie ou autre, c'est un peu comme s'il demandait du chômage pour tous et la crise économique. Il faut bien avoir ça en tête. Il faut absolument remettre en cause la monnaie dette si on veut sortir de là. Et avant de laisser la parole à Corinne, juste faire du coup rappeler donc à ce niveau-là, donc l'inégalité devant la création de monnaie est flagrante, dans le sens où le banquier a un énorme pouvoir en fait, car ce qu'il récupère directement la monnaie des intérêts, donc il est très avantagé par rapport aux autres personnes. Et l'autre point, c'est peut-être aussi qu'il faut voir que les banques, elles ont un énorme pouvoir aussi de choisir qui pourra bénéficier de cette nouvelle monnaie, donc qui pourra être bénéficiaire des crédits. Ainsi, en fait, les banquiers peuvent choisir quel secteur de l'économie développer. Donc, c'est une société privée qui regarde l'économie, alors qu'on pourrait voir d'autres solutions. Et donc, j'ai laissé parole à Corinne, donc, qui va nous parler donc, du principe de la monnaie libre, la June. Faisons ça. Alors, du coup, passons à la deuxième question. Passons à la deuxième question. «
Eh bien, Corinne, ton micro est coupé, Corinne. Oui, il y a d'autres monnaies qui existent et je vais faire juste une petite comparaison pour les situer. Situer la monnaie libre par rapport aux autres monnaies. D'abord, il y a les monnaies locales qui ont leur vertu, mais qui sont adossées à l'euro, enfin en France. Et donc, elles ont leur rôle à jouer, elles ont leur vertu. Mais si vous n'avez pas d'euro, et bien vous n'avez pas de monnaie locale non plus. Ensuite, il n'y a pas de cours officiel pour la June, c'est-à-dire que contrairement aux crypto-monnaies, par exemple, il n'y a pas de cours qui permet de qui influe sur les échanges et puis qui fait même que les bitcoins sont une valeur en soi qui est échangée de manière spéculative. Donc ça rend le fait qu'il n'y ait pas de cours officiel, ça rend possible des opérations qui seraient pas possibles en euros. Par exemple, si je veux vous acheter des tomates, eh ben il suffit qu'on soit d'accord sur un prix en june, alors que on sera pas forcément d'accord sur le prix en euros des tomates. Donc ça permet de nouvelles des échanges qui seraient impossibles en euros. Voilà. Et puis surtout, et c'est de ça que je veux vous parler, c'est la création monétaire qui est très différente que des euros. Et elle est gratuite et constante. Et pour ça, je vais partager mon écran parce que je m'appuie sur quelques images. Donc voilà, je vais passer à ça. Si c'est possible, je ne sais pas si... On va avoir un petit temps de latence le temps que l'écran arrive, du coup, ouais. Voilà. Je pense. Mais est-ce que vous le voyez là? Enfin, là, pour l'instant, non. Pour ouais. l'instant, on ne le voit pas. Ouais. Ah. Bon. Alors, du coup, ils n'ont pas. Est-ce que tu as partagé ton écran, Corinne? Oui. Parce que normalement, quand tu partages, tu dois valider probablement la fenêtre en question. Voilà. Ils n'ont pas l'info en fait que l'écran. Ah mince, bon. Je vais refaire, je suis désolé, on aurait dû. Alors du coup, c'est la création monétaire qui est différente dans la monnaie libre. Alors, c'est étonnant ça. étonnant. oui, bon, ben bah, écoute, je vais faire comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que la création monétaire, elle est de la June, elle est automatique, elle est constante, elle est répartie sur tous les membres. Et donc, ce que reçoit tous les jours chaque membre, c'est ce qu'on appelle un dividende universel, ou DU, et c'est le même montant pour tout le monde. Je vais mettre mes lunettes. Alors, je suis désolée. Donc là, au lieu d'être un service privé et payant, c'est une création monétaire constante, gratuite et uniformément répartie sur les membres. Il n'y a pas besoin de présenter un projet à une banque. Tout le monde a un accès égal à la création monétaire. Et surtout, alors tout à l'heure, on a parlé de création des euros, mais on n'a pas parlé de destruction. Enfin, si, on a juste évoqué, mais c'est super important de se rendre compte que les euros sont détruits. Et donc, il manque. Et là, alors que la création monétaire des junes, les junes qui sont créées, c'est permanent. Ça reste en circulation. Ça permet les échanges d'une personne à l'autre et c'est tout. Donc, pas de compte à rebours, pas de destruction monétaire. Ça stoppe la course en avant dont parlait Fréco et celle qui nous oblige à collectivement toujours prendre des crédits. Alors, le dividende universel, il vaut environ 10 junes aujourd'hui. Et je veux encore vous parler d'une propriété intéressante. Et là, vraiment, je vais réessayer de partager mon écran parce que c'est tellement plus clair avec les schémas. Alors, screen, share screen. Ouais, tu peux mettre l'écran. Partager l'écran, utiliser la caméra. Sinon, oui, c'est vrai que peut-être qu'on peut le partager aussi, si jamais tu dis quel schéma c'est, Corinne. Ouais, c'est des images fixes qui sont pas sur un... que j'ai pas partagé sur un... Bon.
Bon, alors du coup, on se retrouve plus qu'à trois. Bon, bah, en fait, je peux peut-être compléter ce que disait Corinne par rapport au... Donc, si elle arrive avec, les, avec la, l'illustration, ce sera mieux. Mais effectivement, le côté création monétaire et destruction monétaire dans la monnaie libre, il y a une propriété intéressante, c'est que dans, en fait, la monnaie va être créée tout le temps pour tout le monde dans la monnaie libre. Donc, tous les gens vont avoir à chaque fois un dividende universel qui tombe sur leur compte tous les jours. Et en fait, le truc, c'est que ça crée un phénomène bizarre de comment dire, de répartition de la monnaie. Ah, vous revoilà Corinne, qui a peut-être son schéma. Mais du coup, je pense que voir les, donc je vais pas spoiler trop le truc, mais en gros, si on fait un exemple comme ça, en se mettant l'image dans notre tête, imaginons qu'on crée 10 jeunes par jour tous sur notre compte. Si moi j'ai 90 sur mon compte et que Corinne, voilà, elle en a 10, donc 90-10. Elle est 9 fois plus riche que moi. Et si on crée 10 tous les jours, et ben elle va passer, moi je vais passer à 100, elle va passer à 20. Je vais être plus que 5 fois plus riche qu'elle. Et ainsi de suite dans le temps. Plus le temps avance, ben plus l'écart en fait, entre les riches et les pauvres va diminuer. Mais je pense qu'avec les schémas qu'on a maintenant en visuel, je pense que Corinne peut reprendre. Et on a un Larsen. Ouais. Ouais, ça s'est arrangé. Voilà. Bon, je vais essayer comme ça. Il y a un écho. Il faudrait que tu coupes tes enceintes, Corinne, pendant que tu parles, comme ça, au moins, il n'y aura pas d'écho. Bon, j'espère que vous m'entendez. Moi, je n'ai pas le retour pour éviter le Larsen. Oui, mais on t'entend. Oui, on t'entend. Ok, donc voilà, ça c'est pour dire que chaque personne reçoit le même dividende universel qui vaut à peu près 10 G1. Alors, la propriété intéressante dont je voulais vous parler, c'est que si vous ne vendez et n'achetez rien, votre part de la masse monétaire se rapproche de la moyenne. Et ça, pour vous expliquer ça, c'est comme si vous aviez deux personnes qui ont 3 ans d'écart. Quand, ça se voit beaucoup quand elles sont enfants, mais ça se voit presque plus quand elles sont âgées, parce que tous les ans, elles prennent un an. Et bien pour la monnaie libre, c'est la même chose et on va le voir avec cet exemple. Voilà 3 personnes. Au premier jour, elles ont 10, 50 et 90 junes. Et 3 jours plus tard, elles ont reçu la même chose et les montants se répartissent comme ça. 40, alors, 20 et 120. Corinne, on a une image de la banque avec les intérêts. C'est pas, je pense, pas voilà, la bonne non, image. C'est pas ça. Bon, alors, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, ok. Bon, et ben, je vais faire comme ça. Et puis, donc voilà, ça, c'est les 3 personnes donc, qui ont 10 à 50 et 90. 3 jours plus tard, elles ont reçu 30 de plus, ce qui fait que la masse monétaire a augmenté, mais que chacun a des parts maintenant un petit peu plus équilibrées. Et encore 12 jours plus tard, on voit que les parts sont beaucoup plus, elles sont beaucoup plus équilibrées qu'au départ. Donc, on peut dire que ça représente une... Si on regarde le cas de Bruno, il avait 50 au début, c'est un tiers de la masse monétaire qui était de 150. Et ben lui, il va rester à un tiers tout le temps parce que c'est la moyenne en fait. 3 personnes sur ce partage, chacune, enfin la moyenne de quand il y a 3 personnes, c'est évidemment un tiers. Donc on peut aussi voir cette progression dans le temps de cette manière-là. C'est la redistribution. C'est tout de suite le schéma final parce que j'ai pas pu partager le bon écran. Bon, donc Bruno au départ il a un tiers, ça reste à un tiers et les autres, Aline qui avait plus que la moyenne, elle tend sa part relative tend vers la moyenne et Claude aussi qui avait moins que la moyenne, sa part tend vers la moyenne. Alors après, il y a des échanges, comme c'est des personnes vivantes, elles ont des échanges et c'est à ça que sert la monnaie. Donc si Aline vend le produit de son travail à Bruno, et ben sa courbe remonte, celle de Bruno redescend un petit peu, et si Aline fait un gros achat, et ben elle peut elle aussi se retrouver en dessous de la moyenne. Donc ça, c'est une redistribution, et sans intervention autoritaire, vous avez les parts relatives de la monnaie qui sont automatiquement redistribuées de ceux qui ont plus que la moyenne vers ceux qui ont moins que la moyenne. Voilà, ces explications font partie d'une vidéo qui est en ligne et qui sera qui sera proposé en description. Je vais arrêter le partage et passer la parole. Enfin, on passe à la question 3.
Eh ben allons-y, passons à la question 3 alors. Alors ben vite. Alors moi je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu en 2014 parce que ça a été assez intense. En fait j'ai entendu parler de Stéphane Laborde sur internet et de la théorie relative de la monnaie, donc qui est le fondement mathématique qui a permis la création de la June et qui fonde le principe d'une monnaie libre. Et en 2014 également j'ai rencontré un tout petit groupe de développeurs qui donc il y avait en fait dans la pièce où j'étais, il y avait Stéphane Laborde qui cherchait des développeurs pour mettre en pratique sa théorie monétaire, et deux informaticiens, un qui avait commencé à faire un projet de logiciel monétaire pour la mettre en application, qui s'appelait Jibar, et un autre qui s'appelait Segeek, qui avait aussi travaillé de son côté. A priori, Segeek devait reprendre le projet de Jibar, mais Jibar annonce qu'il abandonne le projet. Donc Stéphane Laborde était très embêté parce que ça faisait déjà plus d'un an qu'il attendait que le logiciel prenne forme et que la monnaie prenne vie. Et malheureusement, Jibar, devant gagner de la monnaie dette, malheureusement, avec un travail, eh bien, il devait, malheureusement, il n'avait plus le temps de s'en occuper. Et donc, et Segeek, lui, a décidé finalement de ne pas reprendre le travail de Jibar et de partir sur quelque chose de complètement personnel. Et il a créé le logiciel d'Uniter qui nous sert maintenant, qui permet de faire vivre la Lune actuellement. Voilà, donc on était, Jibar s'en allant, on était deux. Alors il y avait INSO aussi, qu'il ne faut pas que j'oublie, qui lui avait fait des interfaces graphiques, parce que sans interface graphique, aucun humain ne peut utiliser le logiciel, évidemment. Nous a rejoint ce même week-end, donc où tout le monde s'est rencontré, Benoît qui est devenu un des piliers de l'écosystème de la June, puisque c'est lui qui a créé le logiciel Cesium avec lequel la plupart des gens créent leur portefeuille et gèrent leur monnaie, et également la plateforme Géchange qui permet de, un peu comme le Bon Coin, d'échanger des services et les biens. Donc on voit que c'est parti d'une petite équipe de bénévoles, ça l'est toujours, on est toujours une petite équipe, on est toujours des bénévoles pour l'instant, et on travaille donc avec acharnement pour maintenir cette plateforme et la faire vivre le plus longtemps possible pour que la monnaie libre puisse grandir et que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Ok, on peut passer à la suite du coup. On peut passer à la suite avec le concret sur les échanges. J'y vais tout de suite ou... Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut échanger avec cette monnaie qui donc permet de répartir la monnaie entre les plus riches et les plus pauvres et qui est effectivement résiliente. Alors en fait, comment ça marche? Bah en fait, depuis 4 ans, ça existe en vrai. Donc on peut déjà s'installer un logiciel qui s'appelle Cesium et que vous voyez à l'écran. Et alors le logiciel Cesium, lui, en fait, c'est quelque chose qui permet de vous faire un compte assez rapidement. Et puis ensuite, vous aurez zéro sur votre compte, mais vous pourrez commencer déjà à échanger, à vendre des choses, par exemple, et puis récolter de la monnaie, quoi. Et du coup, en fonction de ça, vous allez quand même commencer à pouvoir échanger. C'est très simple. Donc voilà, ça les outils existent depuis 4 ans, donc on peut déjà concrètement échanger. Moi personnellement, je sais que j'ai échangé plein de choses déjà. Donc je travaille dans la musique et dans le son, et donc j'ai déjà échangé du travail par exemple. Donc j'ai déjà payé des ingénieurs du son ou des musiciens pour venir faire des séances d'enregistrement. Donc j'ai donné des junes à des musiciens qui le voulaient.
Et vu qu'en général, beaucoup de musiciens se contentent de bosser gratuitement, ils vont pas être contre le fait d'avoir quelques-unes en plus. Hein, c'est pas. Et donc, il y a beaucoup de domaines comme ça dans lesquels on pourrait faire ça. Mais sinon, voilà, je sais qu'à Toulouse, l'année dernière, j'ai acheté une basse électrique. Donc, voilà, j'ai gardé mes euros, je m'en suis pas servi, et j'ai dépensé des junes pour m'acheter une basse. J'ai acheté des percussions aussi dans le magasin à Toulouse, donc Joliba. J'ai acheté... pas mal de trucs à manger, alors c'était aussi à Toulouse avec chez Joao Paneco Plus qui vend donc des cagettes de légumes. J'en ai acheté complètement, j'étais hébergé chez mon cousin et je suis revenu avec une cagette entière de légumes que j'avais payé en june. Voilà, il me croyait pas, il se disait merde, mais comment c'est possible, ça vient d'où ton truc, t'as fait les poubelles? Ah, non pas du tout, non c'est des vrais légumes, mais voilà, je les ai achetés 100 euros, quoi. Donc voilà, j'ai voilà, pu acheter bon, après des choses, des pots de miel par exemple, du miel qui venait de Blois, donc j'allais même chercher des gros cartons entiers de miel. Voilà, et donc c'est vraiment, on peut s'acheter plein de choses. J'ai des potes, bah, par exemple, il y a un mec à Toulouse qui a acheté des tuiles pour refaire son toit. Voilà, il a acheté tout un stock de tuiles en monnaie libre. Il y a le fameux Pi de Toulouse aussi qui lui a acheté par exemple 10 000 litres d'eau, qui a acheté un rétroprojecteur, des gros écrans pour utiliser avec ses rétroprojecteurs. Il a acheté des guitares. Enfin voilà, des amplis guitare, une sono, enfin donc je sais pas, même si vous autres en fait vous avez acheté des trucs, je sais pas si vous voulez, ouais, si vous voulez témoigner, parce que c'est ça vaut le coup d'être dit. Corinne, je peux raconter que dans toutes les régions en fait on est déjà incité à se rencontrer pour former ce qu'on appelle la toile de confiance, et donc quand on se rencontre, souvent on apporte les petits objets qu'on peut avoir à vendre. Soit une production personnelle de pain, de jus de pomme, ou choses comme ça, ou bien des livres, ou bien le produit de son travail. Enfin, et donc ça, c'est l'occasion de faire des échanges et d'utiliser les junes qui apparaissent sur le compte de chacun. Voilà. Alors, on t'entend pas, Paul. Ouais, pardon. Oui, en fait, je voulais en profiter pour vous montrer, je partage un autre écran encore. C'est le site qui s'appelle G'échange. Et alors ça, G'échange, c'est en fait une plateforme qui ressemble à Le Bon Coin. Donc vous devriez voir. Est-ce que vous voyez? Vous confirmez que vous voyez sur l'écran? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Ok, ouais, c'est bon, ça va arriver. Vous allez avoir un. Voilà. Là, je suis sur G'échange, c'est bon. Là, ça devrait. Si vous partagez l'écran, voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, donc en fait là quand on va sur gechange.fr, donc vous voyez gechange.fr, on arrive donc sur l'accueil du site, voilà, c'est l'équivalent du Bon Coin, mais qui concerne que la monnaie libre, la june. Donc en fait vous allez pouvoir chercher dans les annonces, bon voilà, j'ai tapé vélo, mais en fait je peux taper, je sais pas, moi-même on peut regarder les annonces qu'il y a, moi j'habite à Paris, donc je vais regarder ce qu'il y a à Paris par exemple, et voilà, donc bon là qu'est-ce qu'on a? Voilà, alors là, il y a des gens qui recherchent, voilà, une prestation de service, des gens qui recherchent donc une voix off qui sera payée 3000 junes. Si vous voulez, vous avez une voix et que vous voulez enregistrer un livre audio pour Remake, et ben voilà, vous pouvez y aller, il va vous payer 3000 junes. Donc en fait, c'est des annonces, donc on peut trouver sur ce genre de site des, voilà, donc là, des graines, des choses, mais on peut trouver autant comme sur Le Bon Coin des gens qui recherchent des choses comme des gens qui offrent des choses. Ça peut être des biens, des services. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est que en fait, c'est pas forcément sur G'échange que vous allez faire le plus d'échanges. Voilà. Parce que sur G'échange, c'est pour mettre en commun des choses quand vous voulez vendre des choses comme sur Le Bon Coin, quoi. Mais le truc, c'est que dans la monnaie libre, on n'a pas parlé encore des certifications, mais on avait parlé dans d'autres vidéos. Mais c'est un système qui marche vraiment de pair à pair et où les gens qui sont dans la monnaie libre en fait vont se certifier entre eux, et c'est parce qu'on se fait certifier par d'autres gens qui sont déjà dans la monnaie libre qu'on devient membre et qu'on commence à créer de la monnaie comme tout le monde. Et donc en fait c'est un système qui se passe en gros de proche en proche, et en gros il y a plein de rencontres qui se font en fait dans toute la France. Donc par exemple là je vous mets l'exemple, vous allez sur le forum monnaie libre, et en fait vous allez voir tout de suite sur le forum monnaie libre, il y a toute une catégorie qui s'appelle groupes locaux, voilà. Et dans les groupes locaux vous avez pratiquement toutes les régions de France. Et en fait, c'est là surtout que se créent en fait des rencontres, parce que vous habitiez dans n'importe quelle ville en France, vous venez sur le forum, vous allez dans votre région, et puis vous dites, bah voilà, vous voyez qu'il y en a même à Guyane et Réunion, Champagne-Ardenne, je sais pas, et Champagne-Ardenne, bah voilà, et donc il y a des gens qui se font
Voilà, présentation des membres Grand Est. Voilà, donc en fait, il y a des gens qui vont commencer à parler, à se rencontrer. Est-ce qu'on peut se rencontrer à tel endroit? Est-ce qu'on peut faire une rencontre monnaie libre? Et en fait, depuis 4 ans, c'est ce qui se passe dans pratiquement toutes les régions. Et du coup, bah, on se retrouve avec des gens qui se connaissent quand ils habitent les uns à côté des autres. Et du coup, il y a beaucoup d'échanges qui se font dans ce genre de, comment dire, de rencontres. Et tous ces échanges qui se font à ce moment-là, bah, on les voit pas forcément sur G-Change, quoi, sur le site G-Change. C'est deux choses différentes. Mais en gros, c'est vraiment un système qui vous invite en fait à vous rencontrer autour de vous et à rencontrer les gens qui utilisent la monnaie libre autour de vous. Et du coup, bah, vous voyez, en fait, il y a même en Espagne, ça commence à vraiment se développer. Et donc donc concrètement en fait on peut vraiment commencer à échanger des vraies choses et depuis 4 ans ça pour le coup. Et donc on a vu passer des véhicules par exemple, des vieilles motos, des trucs comme ça, mais le problème c'est que bon, en général beaucoup de gens sautent dessus et l'annonce reste pas longtemps. Voilà, il y a eu des, alors je crois aussi que là c'est une histoire de mettre un peu l'eau à la bouche, mais il y a je crois que si on tape maison de vacances, on peut trouver en fait des locations de maisons pour partir en vacances pendant une semaine, et puis il y a des gens qui vont vous loger en fait. Alors je trouve pas forcément, mais je sais qu'il y en existe, donc faut peut-être taper vacances, je sais pas. Ah, c'est parce que j'ai mis Paris sur ça. Location. Exactement. Location. OK. Ouais. Mais bon bah voilà. Mais en tout cas en gros pour parler dans le concret, ben le on peut vraiment échanger avec des gens qu'on, voilà, vacances. Alors là c'est quoi? Vacances, hébergement. Non, c'est une offre, ouais, d'accord. Bon, bah voilà, en fait. Voilà, chambre pour cracher une nuit. Donc, en fait, vous voyez, en fait, c'est un système qui permet, la monnaie libre, ça permet d'échanger, en fait, librement avec des individus qui, on est sûr, en tout cas, que tout le monde a toujours un petit peu de monnaie parce qu'on crée de la monnaie tous les jours sur notre compte. Donc, au moins, on a une chose dont on est sûr, c'est ça, quoi. Donc, on n'est jamais asséché de monnaie, quoi, en général. Donc, voilà, ça, c'était pour, en gros, les échanges concrets. J'ai un peu anticipé le truc, mais pour la toile de confiance, il faut se dire que pour que vous commenciez à créer de la monnaie avec la monnaie libre, il faut que vous soyez reconnu comme membre par l'ensemble de la communauté, en gros. Aujourd'hui, on est 3200 dans le système. Et en gros, pour devenir membre, il faut impérativement que vous rencontriez des gens qui sont déjà dans le système et qui vont vous certifier votre compte. Et une fois que vous avez un compte qui est certifié par 5 personnes, bah dans ces cas-là, votre compte va commencer à créer de la monnaie automatiquement tout seul. Et du coup, ça incite à se rencontrer. Alors au début, on peut voir ça comme un peu une contrainte, quoi. Mais en fait, il s'avère que moi, je trouve ça juste génial parce que j'ai fait énormément de rencontres. J'ai rencontré beaucoup de gens, des gens qui sont devenus des potes, des amis, et des gens avec qui j'ai pu échanger des vraies choses, quoi. Donc en fait, voilà, et ça crée en fait des petits réseaux résilients dans différentes régions de France, et on peut en fait commencer à déjà se créer des réseaux d'économie locale en fait avec une monnaie qu'on crée nous-mêmes. Donc on fait des échanges de biens et services, mais on fait aussi vachement d'échanges humains en fait. Et donc est-ce que des gens voudraient parler peut-être de certains commerces qui se sont mis à la monnaie libre? Est-ce que l'un de vous trois a quelque chose à dire sur ça? Pas. Alors, tu as mentionné ce magasin à Toulouse qui est connu pour vendre une partie de ses instruments de musique en june. Je sais qu'il y a d'autres endroits où il y a, dans ma région, il y a un vendeur de vrac qui vend une partie de sa marchandise aussi en june. Et donc, il y a plusieurs possibilités pour un professionnel. Ça peut être de vendre une partie de sa marchandise en june, ou bien de faire des prix, une partie en euros, une partie en juin. C'est à chacun de décider comment il s'organise. J'ajoute aussi, puisque tu as montré le forum, qu'il y a un point intéressant dans le forum, c'est le calendrier des événements. Donc c'est même sans, il n'y a pas besoin de le remontrer, mais c'est sur le bandeau d'accueil, on le trouve très facilement. Calendrier des événements, parce que en dehors des régions dont tu as parlé, il y a aussi des visios qui sont organisés, ou bien des petits événements sur différents thèmes, et puis des jeux, etc. Donc, voilà. Pour si les commerçants, pardon. Moi, je voudrais ajouter une chose aussi. Il y a beaucoup de financement participatif, en fait, parce que le reproche qu'on peut faire à la monnaie libre, c'est qu'on a une petite somme tous les jours. Et donc, comment on peut faire quand on veut acheter quelque chose qui nécessite une grosse somme d'un coup?
Alors, il y a deux possibilités. Soit, eh bien, on revoit notre système économique et on fonctionne plutôt par paiement échelonné sur le temps, sachant que on a cette garantie que la personne qui va nous payer régulièrement aura toujours son dividende universel qui va tomber et que donc elle ne sera jamais sans ressources. Ou alors on peut faire un financement participatif si le vendeur veut absolument une grosse somme immédiatement. Et moi, j'ai participé à deux financements participatifs pour des projets de fermes écolieux dans les Dom-Tom. Donc, et à chaque fois, j'ai donné 1000 junes, ce qui correspondait à un dixième de ma fortune en junes, qui était de 10 000, qui est à peu près de 10 000 junes. Et voilà, ça, je ne l'aurais jamais fait en euros. Et là, j'aurais jamais pu le faire en euros. Et là, j'ai pu le faire en junes. Et voilà, donc moi, j'échange assez peu, des jeux de société, des livres, des choses comme ça. Mais par contre, dès que je vois des projets intéressants comme ça, comme des écolieux, des financements participatifs, donc ça, il y en a pas mal et on peut en faire maintenant sur J'échange. Là, je participe. Voilà, là, je participe. Ouais. Parce que finalement, on dit qu'on se dit, on a une petite somme tous les jours, mais quand on échange peu, finalement, et que du coup, on a une épargne à la moyenne qui est automatique, on se retrouve avec la moyenne. Et parfois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi qui échange peu? Eh bien, les dons, les financements participatifs, les participations au projet. Là, voilà, là, ça a du sens d'utiliser toute cette réserve de monnaie si on est dans une région où on ne peut pas forcément l'utiliser tous les jours pour les achats du quotidien. Voilà. Je veux juste dire un mot pour les professionnels. Il y a quand même aussi un restaurant à Nantes, un restaurant gastronomique qui propose un repas complet pour 350 junes. Donc, c'est pas rien, ils font leur comptabilité en junes et en euros. Il y a aussi deux bars sur la région parisienne, donc un sur Montrouge, la mine, et un à Dourdan, que Vite connaît bien, qui propose des bières, donc un certain nombre de bières par jour en junes. Donc ça, c'est pas rien. Il y a aussi Tata Toyo à Antony qui proposait directement proposait à vendre, à boire et à manger en junes. Donc ça aussi, c'est pas rien. Pour les échanges, en effet, comme le disait Polar, ce qui ne se voit pas sur le site J'échange, ça se fait souvent sur donc les rencontres monnaie libre. Et typiquement, moi, j'échange pas mal avec Maud, qui adore du coup faire de la bonne nourriture bio. Et quoi, c'est génial parce que j'achète du bon pain que d'habitude j'aime pas. Donc il y a des légumes bio originaux. Elle fait des cakes, des tisanes aussi. Donc quoi, c'est assez variée et du coup elle propose en fait ça quand elle vient de les préparer, elle va pas les mettre sur les annonces pour la nourriture vu que ça part tout de suite, donc ça faut le savoir. Sinon juste rapidement, moi j'ai acheté différentes choses comme un savon, des livres, un jean, un t-shirt, vendu des jeux, des disques durs, des tentes. Bon, ça peut être très varié, hein. On n'imagine pas ce qu'il peut y avoir. Et pour les services aussi, je voulais dire aussi que on peut donc vendre différents services, hein. Donc pareil, il n'y a pas de limite. Et donc moi, souvent c'est donc des installations de Linux pour libérer des ordinateurs et des téléphones, voire des vieux ordinateurs. Et ce que je veux dire aussi, c'est que bah, du coup, j'avais un moment un peu de monnaie à dépenser, et du coup, je savais pas quoi trop en faire sur le coup. Et je me suis dit, bah aussi, c'est l'occasion d'utiliser pour des formations bien-être. Donc j'ai une formation du coup à distance, en visio, personnalisée. Formation de bien-être, en méditation, et du coup, c'était l'occasion de mettre à ça, et donc il y a différentes propositions qu'on ne trouve pas forcément en euros. Et notamment, c'est ce que beaucoup d'utilisateurs, donc il y a pas mal de geeks en monnaie libre, et donc qui proposent aussi donc des installations de téléphones avec des systèmes libres, dégooglisés, et ça, vous ne le trouvez pas en euros. Donc il y a des services que vous trouvez en euros, pas en junes, et des services que vous trouvez en junes, mais pas en euros. Voilà ce que je veux dire. Bah, je voudrais rebondir sur le fait que, du coup, effectivement, c'est des choses. C'est du pouvoir d'achat en plus qu'on a en fait avec la june, quoi. C'est des, on peut s'offrir des choses. C'est pas parce qu'on utilise la june qu'on n'utilise plus l'euro à côté.
enfin les deux sont complémentaires en fait. Mais à chaque fois qu'on utilise des jeunes, bah, c'est des euros qu'on économise pour faire autre chose, quoi. Et ça, c'est pareil pour les commerces, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais moi je suis boulanger, je peux pas acheter la farine, le four, machin, etc. Si je peux pas payer tout ça en jeunes, ça sert à rien que je vende mes baguettes en jeunes. Mais non, c'est pas vrai, parce que à chaque fois que vous utilisez des jeunes, ça, c'est des euros que vous économisez. Donc, si même vous commencez à vendre un petit peu de votre pain en monnaie libre, vous allez avoir un petit stock de monnaie libre, et peut-être que ce petit stock de monnaie libre, en fait, il va simplement vous permettre de faire une maintenance informatique une fois dans l'année, parce que vous avez un problème, enfin voilà, ou alors une réparation par un plombier, ou quelque chose de, en fait, de simple, mais qui vous aurait coûté quand même des euros à ce moment-là. Mais si vous pouvez le faire en jeûne, bah, de toute manière, ça fait des euros que vous dépensez pas pour ça, quoi. Et du coup, faut vraiment se dire qu'il y a, on n'est pas obligé de penser tout, enfin 100% ou 0%, quoi. On peut se dire, ben, je, comme fait la mine, effectivement, à, donc c'est à Arcueil, ouais, c'est Arcueil, je crois. Je crois que c'est Arcueil. Mais non, ouais, bon, bref, c'est, mais Arcueil ou Cachan, je sais plus, c'est un des deux là. Mais oui, alors ce qu'ils ont proposé, c'est que voilà, ils veulent faire une bière par jour, la première bière tous les jeudis, la première bière par personne en monnaie libre. Et effectivement, c'est, en fait, c'est un commencement. Ils vont commencer à faire ça, et puis si jamais bah il y a des gens qui viennent et puis on commence à en parler, puis on fait des rencontres monnaie libre là-bas le jeudi, on va essayer de le faire le jeudi parce que ça serait un peu, ça serait mieux, et donc on fait ça comme ça, et puis bah si c'est comme ça à ramener des gens, bah, eux de manière ils vont en bénéficier parce que c'est, les gens qui vont venir vont aussi dépenser des euros, donc en fait c'est bon, et bah après ils pourront faire deux bières peut-être par personne en jeûne, et puis 6 mois après peut-être 3 bières, puis tranquillement, et après 3 ans après, 4 ans après, bah en fait, ça se trouve, on sera déjà à un beau chiffre. Mais le problème, c'est qu'on a vu des gens commencer à 100% à se dire ouais, bon, j'utilise la jeûne pour tout. Le problème, c'est que bah en fait, ça se développe lentement. Donc il faut vraiment prendre le temps de sensibiliser autour de nous. Et par exemple, Jollibas, il me semblait que le magasin de musique donc à Toulouse, ils vendent quelques instruments en jeûne. Ils récoltent des jeûnes et ces jeûnes-là, en fait, leur servent à payer quelqu'un qui fait un community manager là sur donc qui fait la promotion en fait du magasin sur plusieurs réseaux sociaux, et du coup bah en fait ça leur fait venir aussi des nouveaux clients qu'ils utilisent la jeûne ou pas, en fait ça change rien, mais du coup en fait avec leur activité en jeûne ça peut aussi leur ramener des clients en euros, donc en fait c'est vraiment, faut vraiment voir la jeûne comme étant un apport en plus et non pas ni une concurrence à l'euro. Bon, même si c'en est une de fait, mais c'est, on, voilà, ça se combine, quoi. Donc c'est plus pour rassurer, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas se lancer dedans de peur de ne pas pouvoir faire toute leur économie comme ça, mais c'est pas grave, on peut le faire progressivement. Et c'est ce qui se passe en tout cas depuis 4 ans, quoi. On a commencé à 59, aujourd'hui on est 3200. Bon, ben voilà, ça a le mérite d'exister et d'être là, quoi. Et alors, je ne sais pas si on voulait parler vite fait aussi des libertés qu'on retrouve avec la monnaie libre et qu'on n'a plus trop avec l'euro. Fréco, tu veux en parler peut-être un peu? Après c'est vrai que ce que je voulais dire c'était notamment le fait de que ça change en fait la société un peu les comportements, en fait le fait de notamment de ne pas manquer de monnaie, on voit dans les échanges qu'on peut simuler d'ailleurs par le jeu Géconomicus en ligne d'ailleurs qui est disponible sur le forum, il y a des liens là-dessus, on peut simuler les différentes monnaies comme la monnaie dette et la monnaie libre. Du coup, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est différent qu'on ne connaît pas en euros, c'est que vu qu'on a toujours la monnaie qui arrive régulièrement, on n'est jamais vraiment en manque. Bon, bien sûr, il faut en gagner, parce que ça ne suffit pas pour faire tous les dividendes qu'on reçoit tous les jours. Ce que je voulais, c'était typiquement pour mon premier échange, en fait, bon, j'avais galéré pour réussir à trouver un rendez-vous pour vendre ma première tente. Et donc, c'était compliqué. Le jour même, en fait, il ne me répondait plus, donc j'avais pas la confirmation. Donc je suis quand même venu, je vais à tout prix faire ma première vente. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement enthousiaste quand il est fini d'arriver. Donc l'acheteur est venu un peu en retard. Il était surpris de me voir tout enthousiaste à déballer la tente, lui montrer comment elle se refermait, que j'étais tout enthousiaste de faire ma première vente en jeûne. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, plutôt que me payer déjà un bon prix qui était de 300 jeûnes pour la tente, en fait, il m'a payé 500. Alors, sur le coup, j'étais gêné, je suis mince. C'est-à-dire qu'il s'en fout des jeunes, il en a plein, il sait pas quoi en faire. Et j'ai compris ça avec le temps, c'est qu'en fait dans la jeune, quand on a envie d'encourager quelqu'un, typiquement un nouvel arrivant qui est enthousiaste d'utiliser la jeune, donc un nouvel arrivant qui commence à zéro, la pratique est de du coup choisir ses jeunes pour encourager quelqu'un, pour encourager une entreprise. Quoi. On y a cette logique de don, de partage, d'entraide,
que j'ai jamais connu en euros, en fait. Donc c'était ça où on voit que les échanges, que les comportements en fait entre les différents individus changent avec cette monnaie. Et voilà, donc du coup ça c'est important à vivre pour s'en rendre compte, c'est plus concret. Donc c'était. Oui, je peux compléter. Là aussi, le jour où j'ai été certifié, mes certificateurs, en plus certains d'entre eux m'ont envoyé un petit montant de bienvenue et j'étais absolument, je m'attendais absolument pas à ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien ça, c'est simplement un geste amical. Et puis, ça s'est reproduit aussi quand j'ai vendu, qu'est-ce que c'était? J'ai vendu une perceuse et le gars a trouvé que c'était pas assez cher. Donc, il a aussi revu le prix à la hausse parce que, bah, en fait, je sais pas s'il montait un magasin ou quoi, il en avait acheté plusieurs et puis il trouvait que c'était pas, j'avais pas bien évalué le prix. Enfin bon, voilà, c'est pas du tout le même rapport à la monnaie, en fait, que ce qu'on connaît. Et vous avez mentionné le jeu Géconomicus, c'est un jeu qui se joue en deux parties. On simule, en fait, des échanges en monnaie dette dans une première partie. Et dans une deuxième partie, on a le même objectif, mais avec la monnaie libre, donc qui apparaît régulièrement. À chaque cycle, on reçoit de l'argent au lieu de devoir rembourser la banque, donc c'est pas du tout pareil. Et on voit qu'il y a plus de collaboration entre les joueurs, parce que le but, c'est de faire des carrés, par exemple un carré de 7. J'ai deux carrés de 7, vous en avez deux aussi. Et ben, plutôt que de se dire, moi, je veux absolument les deux 7 que tu as, et ben, on va se dire, tiens, moi, j'ai plus d'argent que toi, donc c'est peut-être plus logique que ce soit moi qui t'achète les 7 qui manquent et qui fasse mon carré. De toute façon, ce qui compte, c'est que globalement, les carrés soient faits. Et voilà, il y a plus de... Tout est beaucoup plus détendu, en fait. On voit très bien avec le jeu Géconomicus. Vite, oui, je voudrais rebondir là-dessus. Effectivement, en 2014, quand j'ai rencontré les développeurs, les tout premiers développeurs, et j'ai rencontré Stéphane Laborde, on a eu la chance de faire un jeu qui s'appelait La Corbeille de Sybille Saint-Giron. Donc, je vous invite à aller voir sur Internet ce que fait Sybille, c'est vraiment très intéressant. Et Géconomicus, en fait, est une évolution du jeu La Corbeille. Avec des tableurs et avec voilà, c'est beaucoup plus long. Le jeu La Corbeille s'intéresse vraiment à l'émotion et à ce qu'on ressent. Donc c'est des petites parties d'un quart d'heure, alors que Géconomicus, c'est des parties beaucoup plus longues, d'une heure, une heure et demie, qui n'ont pas le même objectif. Mais voilà, en tout cas, en jouant ce jeu-là, La Corbeille et puis ensuite le Géconomicus, ce qui paraissait un peu flou mathématiquement m'a paru limpide à vivre. Voilà. Et donc, malgré le fait que je sois un développeur et que je dois coder des maths, je sais pourquoi je le fais. Voilà, je sais pourquoi je passe des heures devant des chiffres et des codes. C'est parce qu'au final, on n'a pas le même rapport. Les gens n'ont pas du tout le même rapport. Le don est beaucoup plus facile. Il y a moins de stress. Et voilà. Et ça, effectivement, comme vous l'avez dit, le jeu le permet de le ressentir vraiment. Bah, super. Mais donc, en fait, il nous reste, en fait, on a proposé que peut-être qu'on peut faire une petite création de compte en ligne pour avec Emmanuel, si tu es toujours partante et qui va apparaître. Alors, en fait, on s'était dit que on pouvait essayer de faire une montrer comment faire, en fait, comment se créer un compte dans la monnaie libre, dans la June, pour qu'en fait, pour que vous rendiez compte à quel point c'est facile et ça prend pas beaucoup de temps. Et donc je sais pas, est-ce que oui. Prenez place, bonjour, vous voulez à partager. Tous. Ah, ok. Bonjour à tous. Oui, on s'était dit ça de faire vraiment un exercice pratique. Donc voilà, donc je vais partager. Alors, si tu veux, pour éviter, alors que c'est comme vous voulez, en fonction du temps qu'on a et du temps que vous voulez prendre, soit on peut utiliser le compte que tu as déjà créé, soit on peut en recréer un là, sachant que on peut en faire un même histoire de. Oui, on va essayer d'en recréer un. Alors, du coup, pour ceux qui voudraient savoir comment faire, même vous pouvez suivre le truc en ligne et le faire en même temps. Nous, on l'avait déjà fait pour gagner un peu de temps, mais en fait, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Cesium, donc C-E-S-I-U-M, cesium.app. Et en fait, vous arrivez sur Cesium.app et en fait, vous téléchargez dans pratiquement tous les formats
dans tout, pour toutes les plateformes. En fait, vous pouvez télécharger le logiciel Cesium qui va vous permettre de pouvoir vous créer un compte, de faire des virements, de pouvoir certifier, de pouvoir voir toutes les informations sur la monnaie libre en direct. Et voilà, le logiciel Cesium, c'est bon, ça Vincent pourrait en parler plus précisément, mais c'est un logiciel client. Donc en fait, tous les logiciels autour de la monnaie libre sont que des logiciels libres qui ont été développés par des gens comme Vincent et comme plein d'autres qui font ça sur leur temps libre et qui en fait dont le travail en fait est en contribution, c'est une contribution à un travail en licence libre. Donc n'importe qui peut en fait contribuer à améliorer les logiciels qui servent à faire marcher la June. Et dans ce système-là, donc on peut tous contribuer, si on a les compétences en tout cas, à améliorer les logiciels. On peut même contribuer à simplement donner son avis sur ce qu'on aimerait voir changer dans les logiciels, en fait. Donc il y a vraiment pas, c'est vraiment une logique décentralisée. Hein. Ça part vraiment des gens et n'importe qui peut contribuer. Et ensuite, une fois que vous êtes dans ce truc-là, vous pouvez même aussi, chacun est libre de pouvoir mettre à disposition, en gros, une petite partie de son ordinateur pour faire un nœud, pour faire tourner un nœud, pour rendre tout le réseau de la monnaie libre beaucoup plus résilient. Et vous pourrez avoir une copie de la blockchain pour avoir toutes les transactions chez vous pour voir ce qui se passe. Tout est transparent. Et du coup, plus on est nombreux en fait à faire tourner des nœuds, bah, plus la blockchain en fait sera résiliente et sera solide. Et voilà, chacun. Alors c'est pas nécessaire, hein, tout le monde n'est pas obligé de faire tourner un nœud, mais vous pouvez le faire si vous le voulez. Et quand vous faites tourner un nœud, bah, vous faites partie aussi des décisionnaires de la suite de la monnaie libre, parce que à chaque fois qu'il y a une mise à jour à faire, il faut que la majeure partie des nœuds se mettent à jour pour que les mises à jour se fasse. Et donc si vous avez un nœud et que vous devenez aussi co-décisionnaire du fait que est-ce que vous voulez mettre à jour à chaque fois les versions, est-ce que, donc là on en est au début, donc effectivement en général ça se suit, mais dans l'histoire des crypto-monnaies on voit très bien qu'il y a eu des moments des monnaies qui se sont divisées en fait, avec des gens qui voulaient garder l'ancien modèle, d'autres qui voulaient partir sur d'autres choses, et tout ça dans le monde des crypto-monnaies c'est quelque chose qui visiblement existe déjà. Et il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas dans la monnaie libre un jour. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais voilà. Donc c'est un système complètement contributif, complètement libre, avec tout en licence libre, de la théorie relative de la monnaie à la base jusqu'au logiciel qui font tourner la monnaie. Tout est en licence libre et donc tout est consultable et en plus gratuit et modifiable par tout le monde. Donc là, on a création d'un portefeuille. Donc voilà. Emmanuel s'est connecté. Elle a téléchargé Cesium. Et du coup, elle a fait créer un compte et simplement, en fait, on lui demande de rentrer en fait un identifiant secret et un mot de passe. Donc là, la première phase, c'est l'identifiant secret que vous devez marquer deux fois. Et ensuite, le mot de passe. Du coup, elle réfléchit à un mot de passe et qu'elle confirmera ensuite. Alors, ce qui est super important pour, comme dans tous les, dans ce logiciel en tout cas, ce qui est très important, c'est le fait que vous ne pouvez pas récupérer les mots de passe si vous les perdez. Il n'y a aucun moyen, personne n'a les moyens de vous rendre vos mots de passe si vous les perdez, si vous les oubliez, parce que c'est, si vous voulez, les mots de passe ne sont pas stockés autre part que chez vous même. Enfin, c'est pas stocké sur un serveur. Ouais, Corinne, tu voulais dire un truc ? En fait, je voudrais vraiment insister sur ce point. Là, Emmanuel, on a l'impression qu'elle improvise, mais c'est super important d'avoir réfléchi à l'avance à ces deux phrases de passe. Donc, il y en a une qui sert d'identifiant secret et l'autre de mot de passe. Et ils doivent être à la fois difficiles à deviner, donc plutôt longs, plutôt incohérents, enfin une suite de caractères, mais aussi très faciles à retrouver toute sa vie, parce que, en fait, le compte qu'elle est en train de créer, comme tu disais, personne ne pourra lui redonner les clés et elle ne pourra pas non plus changer ses identifiants. C'est des identifiants définitifs pour accéder à ce compte précisément. En particulier sur le compte membre. Après, on peut se faire des comptes portefeuille tout simple pour des échanges où on peut avoir des mots de passe plus simples. Oui, mais il reste vrai que si tu perds tes mots de passe, personne ne pourra te les rendre. Et donc, les junes qui sont dessus seront bloquées ad vitam aeternam. Donc voilà, en fait, là, donc on a Emmanuel s'est créé un compte donc avec un identifiant mot de passe dont elle a vraiment soigneusement marqué tout ça quelque part, parce que sinon, elle ne pourra plus jamais se connecter. Et alors, du coup, on s'était dit peut-être qu'on pourrait lui faire un don. Je ne sais pas, vu qu'on est quatre personnes à avoir des junes en ligne, on peut très bien lui faire un don. Donc peut-être pour faire ça, ce qu'il faudrait que tu fasses, Emmanuel, il faudrait que tu cliques sur ta clé publique. Donc la clé publique qu'on voit ici, en fait, c'est l'équivalent d'un RIB. Donc voilà, on peut faire copier-coller. Et si tu pouvais nous le coller dans le chat, comme ça, nous, on a ton RIB exact. Et comme ça, on prend ce truc-là et on peut directement te faire un virement sur ce compte-là sans se tromper, quoi. Donc en gros, voilà, super. Donc on l'a eu. Donc en gros, une fois que vous avez créé votre compte, vous avez
Vous avez vraiment ça, vous avez votre clé publique. La clé publique, c'est le RIB, donc vous pouvez partager ça à n'importe qui, et c'est ce qui vous permettra de vous... Enfin, c'est votre identité, en fait, sur le réseau. C'est comme ça qu'on va vous trouver pour pouvoir vous payer. Et donc voilà, donc là, ce qu'elle a fait, Emmanuel, elle a juste créé un compte qu'on appelle compte portefeuille ou simple portefeuille. Donc c'est un compte comme un compte de dépôt, très simple, sur lequel il y a zéro au début, et puis en fait, vous pouvez juste transférer de la monnaie dessus, puis ensuite payer des gens, voilà, c'est un compte très simple. Ensuite, si vous voulez avoir un compte pour devenir membre, et commencer à créer de la monnaie avec un dividende universel tous les jours. Là, dans ces cas-là, c'est faut créer une autre sorte. Enfin, en gros, faut créer un compte qui s'appelle un compte membre. Et là, il y a toute une procédure qu'il faudra qu'on détaille. Alors, il existe des vidéos. Hein, si vous tapez créer un compte membre sur Cesium ou créer un compte membre Monnaie Libre, vous tapez ça. Vous avez des gens qui ont fait des tutoriels sur le forum Monnaie Libre. Vous avez ça aussi sur le site monnaie-libre.fr aussi. Donc, si vous voulez trouver les informations, vous pouvez trouver facilement, quoi. Donc, moi, si vous voulez, je vais, là, ce qu'on peut faire, c'est que je peux partager mon écran de Cesium et je vais faire un virement en direct, à Emmanuel. Comme ça, on pourra voir que c'est assez simple. Alors, du coup, je sélectionne mon truc. Voilà. Tac. Super. Donc, logiquement, vous devriez voir mon écran Cesium. Donc, voilà. Si je vais sur, donc mon compte, voilà, donc moi j'ai mon compte qui est ici. J'ai ma clé publique, effectivement, pareil. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais dans l'annuaire et je vais taper, donc je vais coller la clé publique d'Emmanuel que j'ai copiée au préalable. Voilà, donc là je retrouve. Donc c'est vrai que les clés publiques, en fait, elles ont vraiment un aspect, enfin, c'est une chaîne de caractères incompréhensible. Bon, c'est de la cryptographie, quoi. C'est, voilà. Quand vous créez votre mot de passe et votre identifiant, ça génère en fait un jeu de clés qu'on appelle un jeu de clés privé et public. Le jeu de clé privé, c'est pour vous, c'est que pour vous. C'est vraiment ce qui vous permet de débloquer votre compte et de faire tout. Donc, c'est votre mot de passe et votre identifiant. Et la clé publique, en fait, c'est le côté public que vous pouvez partager à tout le monde. Donc là, vous voyez, voilà, j'arrive sur le compte donc, qu'Emmanuel vient de créer. Je peux décider de lui faire un virement. Donc, par exemple, je vais lui faire un virement, je vais lui donner, voilà, je vais lui donner ses deux premiers dividendes universels. Donc là, voilà, je lui fais un virement de deux dividendes depuis mon compte. Voilà, donc là on voit aussi mon solde de compte, donc en fait j'ai 714 dividendes sur mon compte actuellement, et donc je vais en virer deux, pour Emmanuel. Donc je dis voilà, cadeau de bienvenue. Et alors quand vous faites une transaction, ben voilà, vous pouvez mettre un montant, un message, en fait une transaction, et c'est les seules informations qui seront stockées dans la blockchain du coup. Donc là envoyer, donc là il va me demander forcément de refaire Alors, pendant que tu saisis tes identifiants, ouais. Moi, je précise que le montant, là, il était affiché en BU, mais on peut aussi, c'est un paramètre, vous pouvez demander à afficher les montants en June, si l'un ou l'autre, et ben, à l'occasion, on vous expliquera pourquoi est-ce qu'il y a deux unités. Voilà. Et alors, vous voyez, en fait, aussi, si on voit encore mon écran, là, je rentre mon identifiant secret et mon mot de passe, et quand je rentre les deux, en fait, le logiciel Cesium, lui, il génère, du coup, ma clé. Et vous voyez, si je change un seul caractère, par exemple, je change le dernier caractère, vous voyez que la clé, elle est complètement différente. Donc, en fait, c'est vraiment la clé, en fait, publique, c'est vraiment un résultat de la combinaison de votre identifiant secret et mot de passe. Et c'est le principe de la cryptographie, quoi. Ça vous fait un jeu de clés. Voilà, donc là, ça me demande confirmation. Est-ce que je veux virer 2 DU là? Bah, bien sûr. Voilà, donc là, le virement est envoyé. Et là, ce qu'on peut faire, on peut aller dans l'onglet réseau, pardon, ici. Et alors, l'onglet réseau, ça nous donne en fait un peu l'état du réseau de la monnaie libre en temps réel, quoi. Donc ça, dès que vous installez Cesium, vous avez toutes ces informations-là. Donc là, à gauche, vous avez toute la liste des nœuds actuellement. Donc en fait, n'importe qui, hein, n'importe quelle personne peut installer d'Unitaire et installer un nœud, en fait, pour participer, en fait, au fait que la June tourne, quoi. Et du côté droit, ici, on a... Pardon ? Oui, il faut être membre, quand même, pour mettre un nœud. Non, tu peux faire un nœud miroir si tu n'es pas membre. Ah. Et toi, tu auras un nœud, mais tu ne pourras pas calculer des blocs dedans. Tu ne pourras pas participer au calcul des blocs, etc. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais normalement, c'est ça. Et il y a les nœuds membres, en fait, et les nœuds miroirs, qui sont simplement des nœuds miroirs, c'est simplement des nœuds qui ont une copie de la blockchain, en fait, et mais ils ne calculent pas de blocs, quoi. Et voilà. Et du côté droit, on a l'ensemble de tous les blocs, le bloc de la blockchain de la monnaie libre d'Unitaire, quoi. Donc en gros, là, on en est actuellement, depuis 4 ans que la monnaie libre tourne, on en est au bloc 440 360. Et alors,
là, en fait, si on attend 5 minutes, en fait, on va avoir un autre bloc qui va arriver et on va pouvoir voir dans ce bloc, en fait, la transaction que j'ai pu faire à Emmanuel. Et donc là, en fait, on peut voir dans les anciens blocs qui sont passés, donc toutes les 5 minutes, il y a un bloc nouveau qui arrive. Et vous voyez, en fait, il y a des petits logos ici qui disent, par exemple, là, dans ce bloc-là, on sait qu'il y a des transactions, par exemple. Il y a 3 transactions. Donc, si on va voir le bloc, eh ben, en fait, on voit ce qui s'est passé. Voilà, il y a le compte de Francky qui a fait un virement de 41,28 junes à ce compte-là. Et alors là, vu que c'est une blockchain, on peut tout regarder, tout est public en fait. Et donc on regarde, alors qu'est-ce qu'il a payé ? Ah ben, il a payé MLO événement. Alors MLO événement, c'est qui ? Ben, en fait, c'est Monnaie Libre Occitanie. Et c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de virements faits à Monnaie Libre Occitanie actuellement, parce que actuellement, il y a l'université d'été de la Monnaie Libre qui se passe à Toulouse. Et donc c'est l'occasion en fait d'une grande rencontre de plein de gens qui utilisent la June. Et du coup, il y a des crêpes à vendre en June, de la boisson. Moi, j'étais allé l'année dernière à la fin de l'événement, tout le bar était ouvert en June. J'ai payé des tournées de bière à tout le monde. C'était parfait. Quoi. Donc voilà, c'est. Donc c'est pas étonnant. Chose, oui. Adrien, j'ai fait un virement juste avant toi. je sais pas s'il est passé avant toi ou s'il va passer en même temps. Eh ben, on va regarder ça. Et puis effectivement, avec malheureusement la crise sanitaire, tous les 6 mois, on fait des rencontres qui sont à la fois les rencontres pour les développeurs et les rencontres pour le grand public. Et eh bien, elles n'ont pas pu être faites l'année dernière, mais l'université d'été, je crois, a eu lieu quand même l'année dernière, a réussi à se tenir. Et là, elle continue cette année. Et donc je vous invite vraiment, si vous êtes du côté de Toulouse, à y aller. C'est jusqu'au 14, je crois, jusqu'à demain. Donc ça a démarré le 10. Donc dépêchez-vous et allez rencontrer toutes les personnes qui contribuent à la June sur Toulouse. Ils sont énormément. Ah. Ok. Et alors du coup, bah oui, c'était une très bonne précision. Vite. Et là, donc là, on est sur le compte d'Emmanuel et on voit que déjà, il y a déjà, on voit le don en live, voilà, de 50 June de Fréco. On voit que c'est déjà, ça figure déjà sur le compte d'Emmanuel. Donc en fait, normalement, voilà, elle n'est plus à zéro. Donc vous voyez, en fait, ça va assez vite quand même. Et ça va assez vite, en fait. En quelques minutes, on peut se créer un compte et on peut recevoir des paiements, quoi. Donc, en fait, pour tout, hein, que vous soyez même ne serait-ce qu'un YouTuber, peer-tuber peut-être, ou n'importe quoi, en fait, n'importe quelle activité vous pouvez ouvrir un compte, en fait, même en direct. Et puis, en fait, vous pouvez demander à ce qu'on paye. Et s'il y a des gens qui utilisent la June qui vous regardent, ils feront un plaisir de vous donner parce que c'est aussi une manière de faire la promotion de cette monnaie, quoi. De faire des dons, en fait. C'est vraiment une monnaie qui fonctionne comme ça, quoi. Beaucoup de gens se font des dons naturellement pour rentrer dans le principe, quoi. Et du coup, Emmanuel, je sais pas, vu que tu es parti, mais il me semblait que tu avais peut-être une proposition de quelque chose à vendre aussi. Est-ce que tu veux en parler peut-être Oui, on avait aussi continué dans le concret. Oui. Alors du coup, je vais essayer de partager mon écran avec Géchange. Alors ouais, on s'était dit qu'on pouvait faire une annonce Géchange aussi, simplement faire un compte. Hein, c'est le même. En fait, c'est pas plus compliqué. En fait, c'est pareil, un identifiant, mot de passe. Et vous faites un compte sur Géchange et vous pouvez proposer tout de suite des annonces, quoi. De ce que vous recherchez aussi, ou de ce que vous vendez. Et personnellement, je sais que j'ai déjà fait l'expérience de chercher un blouson de moto. J'ai pas beaucoup d'euros, donc je cherchais un blouson de moto. Et en fait, j'ai mis une annonce sur Géchange pour dire que je cherchais un blouson de moto. En 2 jours, il y a 2 personnes qui m'ont proposé un blouson de moto en June. Et du coup, j'ai pu m'en acheter en June sans dépenser d'euros, quoi. Donc, même si vous voyez pas ce que vous cherchez sur Géchange, n'oubliez pas que vous pouvez faire des demandes, en fait. Et vous pouvez diffuser vos demandes, en fait, même que ce soit sur Facebook, sur le forum, sur des réseaux libres, enfin, voilà, vous pouvez le faire. Et puis, il y a des fois des gens qui se font un plaisir de. Attends, c'est pas. Alors. Pardon, c'est pas ça du tout. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. C'est l'effet des mots. Le partage d'écran, c'est quelque chose. Hein. C'est différent dans chaque outil, ouais. Yes. Est-ce que c'est... non. Oui, bon là, ou c'est pas bon, là, oui, c'est bon. Ouais, ouais, là, ouais. C'est bon. Ok, ouais. D'accord. Alors du coup, donc tu t'étais fait un compte, Géchange, c'est ça? Oui, j'avais fait, voilà. Super. J'avais fait un compte. Donc du coup, alors je crée
On peut créer une annonce. Alors, je pense que c'est dans annonce peut-être ou dans accueil peut-être ou mes annonces peut-être. Ouais, mes annonces. Je pense que je dépose une annonce. Ouais, voilà. Alors, ah, tu... ouais, offre. Ouais. Alors, du coup. Donc, moi, ce que je voulais donc proposer, c'est un petit atelier donc de création chorégraphique. Donc, je pense que je vais le mettre dans formation. Vous en pensez. Ouais. Alors, c'est juste un petit copier-coller. Hop. Et ouais, c'est. Alors, tu peux nous en parler un petit peu du Oui, avec plaisir. Donc, du coup, l'idée, c'est donc je suis moi chorégraphe et donc l'idée, c'est de proposer un petit atelier sur 2 jours de création, enfin de recherche et de création chorégraphique. Donc, en 2 séances de 2 heures, c'est ce que je pour commencer, c'est ce qui me semblait pas mal. Et puis donc l'idée, c'est de partager donc des matériaux, à la fois des matériaux écrits, des matériaux visuels qui ont été à l'origine donc de la création d'une pièce chorégraphique qui s'appelle Poppy N plus Z et qui essaye de questionner donc ce lien entre l'humain et le robot. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment que les participants s'approprient donc ces matériaux qui ont été pour nous donc vraiment le départ de la création et qu'ils les amènent ailleurs et qui créent à leur tour donc avec moi aussi mais qui créent vraiment leur propre petite performance chorégraphique, enfin qui fassent vraiment leur création. Moi, c'est beaucoup comme ça que je travaille par des processus d'appropriation. Et voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on va travailler dans un premier temps. Non, je peux pas. On va travailler dans un premier temps à partir de textes, et puis ensuite à partir de ce qu'on appelle des croquis chorégraphiques qu'on utilise pas mal en création danse et surtout pour la chorégraphie. Et voilà. Donc, de partager. Bon, il y a aussi voilà, je veux aussi partager pas mal de croquis chorégraphiques parce que moi je les trouve toujours très beaux de chorégraphes assez connus aussi qui travaillent comme ça. Et donc voilà, donc on part des mots et puis on travaillera à partir des mots donc comment on va créer un mouvement, comment on va caractériser la qualité de ce mouvement, etc. Et donc, pour justement qualifier le geste et le mouvement, enfin, trouver une qualité à ce geste, à ce mouvement, une orientation, bref, un travail de l'espace, on peut utiliser aussi ces croquis. Et l'idée, voilà, c'est de, à partir de ces matériaux-là, entre autres, du coup, que chacun puisse créer une petite chorégraphie. Voilà. J'ai été un peu longue, hein, d'ailleurs. Ben non, mais c'est cool. Et est-ce que tu as déjà vu vent de ce genre d'offres en euros, dans le monde de l'euro, ou pas du tout? Ben, nous, en fait, alors, en offre, je sais pas, mais en offre, non, d'ailleurs. Après, nous, on a travaillé, mais pas comme ça, enfin, pas en tout cas de cette manière, pas directement, c'est-à-dire pas directement, du coup, avec les gens, avec les citoyens. En fait, nous on a fait beaucoup d'ateliers, mais c'est toujours en passant par une structure, que ça soit l'éducation nationale ou d'autres types de structures institutionnelles souvent. Mais du coup, il n'y a pas ce rapport finalement direct en fait aux citoyens. Enfin, moi, je l'ai jamais eu en fait. Donc il y a toujours un intermédiaire. Donc ce que je trouve chouette s'il y a des gens qui s'inscrivent c'est que du coup le rapport est direct, c'est-à-dire ils regardent, on peut évidemment discuter aussi en amont de l'atelier pour voir s'ils ont vraiment envie de le faire, mais du coup on a un rapport direct, ce que finalement nous on n'a jamais, enfin si on fait un atelier pour un lieu par exemple, pour un lieu culturel, c'est pas nous qui allons dialoguer directement avec les participants, c'est le lieu en fait. Donc voilà. Donc du coup, j'essaye de voir ce qui change en fait. Et effectivement, ça change, ouais. Ouais, complètement. C'est cool. Hein. C'est voilà. Je pense que en gros, bah là, ça fait quoi? Ça fait
Oui, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour le don. Ah oui, bah c'est parfait. Donc du coup, voilà. Donc maintenant, tu peux carrément, tu peux commencer même à aller voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse sur J'échange. Alors oui, je voulais peut-être te préciser un truc parce que tout à l'heure, quand on a vu ça un peu avec Emmanuel le compte et tout, il y avait un truc de. Alors oui, elle avait envie d'offrir de proposer à la vente un cours pour comme ça, donc pour accompagner des gens qui voudraient faire de la création chorégraphique et en partant de mots et d'idées jusqu'à la danse, quoi, enfin jusqu'à la chorégraphie. Et du coup, la question, c'était le prix, quoi. Quel prix mettre? Et alors, c'est une question en fait que beaucoup se posent aussi dans la monnaie libre, et en fait, chacun expérimente un petit peu aussi comme il veut. Mais je sais pas, comme vous trois, quelles sont vos politiques pour faire des prix, mais moi je sais que j'ai plusieurs façons de faire. Soit, alors ça c'est Pi qui me parlait de ça, par exemple, qu'est-ce que je voudrais m'offrir aujourd'hui? Je vois que, par exemple, quelqu'un vend un vélo en june, je sais pas, 500 june. Je me dis, ok, et moi je veux vendre des prestations d'ingénieur du son à des gens. Je me dis, si je sais pas trop pour le prix, je peux me dire, en fait j'ai envie de m'acheter un vélo. Combien de journées de boulot je considère qu'un vélo ça vaut. Donc je fais un rapport entre la journée de travail par exemple pour moi et puis le vélo que je veux m'acheter. Si je me dis je pense que 2 jours de travail pour faire des prises de voix, ça me semble cool pour m'acheter un vélo quoi. Dans ces cas-là, je sais que si j'imagine que c'est deux journées de travail pour moi, ça veut dire que la journée de travail je vais la vendre 250 junes et puis qu'au bout de 2 jours j'aurai 500 junes et je m'offrirai mon vélo qui est à 500 junes. Après, je peux aussi de l'autre côté négocier le prix du vélo en disant au gars, attends, 500 junes, c'est un peu abusé. Et voilà. Et on peut aussi regarder, moi, je pourrais regarder aussi des autres annonces en disant, ceux qui vendent le même truc que moi, combien ils le vendent? Est-ce que je peux pas faire un rapport? Est-ce que je vais me stabiliser au prix du marché, entre guillemets, avec la main invisible, tout ça? Mais, il y a plusieurs façons de faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez d'autres techniques pour fixer vos prix de ce que vous vendez, mais ça peut être intéressant. Oui, j'ai les techniques, je change en fait, parce que c'est effectivement, ça dépend. C'est comme on en parlait un peu avant, comme les rapports entre les gens sont différents, le rapport à la monnaie est différent. Parfois, je vais me baser sur le temps, effectivement, comme toi, le temps de travail, estimer un petit peu un rapport entre mon temps de travail et l'objet à acheter. Ou alors je regarde sur J'échange les marges de prix. Les jeux de société. J'ai voulu vendre un beau jeu de société. J'ai regardé sur J'échange, ça allait de une june à 200 junes. Donc j'étais pas bien fixé, j'étais pas plus fixé que ça. Donc au final, j'ai fait, j'ai pris le prix en euros et puis j'ai converti en dividendes. Enfin, j'ai fait ma petite sauce. Et finalement, j'ai mis l'annonce et 3 minutes après, c'était parti. J'avais 2 personnes sur l'annonce, et ça s'est arrivé 2 fois aussi avec des bandes dessinées. Donc on sent qu'il y a des produits, on les met en 3 minutes, c'est parti. Alors évidemment, ceux qui ont testé un prix bas, quand ça part en 3 minutes, sont parfois un peu déçus. Bon, il faut essayer, prendre un autre objet, le mettre plus haut. Et puis si ça part pas, ça peut venir de l'objet ou ça peut venir du prix. Mais en tout cas, on est dans un champ d'expérimentation. Et effectivement, pour l'instant, comme il n'y a pas de. C'est indexé à rien, la June, on fait un petit peu ce qu'on veut. On regarde ce que font les autres. Et puis, si vous, vraiment, vous estimez que votre façon de faire, c'est celle qui vous correspond le plus, et que vous voyez que le marché vous échappe un peu et ne fait pas vraiment les prix que vous voulez, à vous d'essayer de convaincre les autres d'aller dans des gammes de prix que vous. Que vous pensez plus juste pour ce type de produit. Enfin, on voit que là, l'économie, elle est à créer, en fait. Avec la June, vraiment, on est au début et c'est à nous de la prendre en main et de l'orienter vers ce qui vous paraît le plus juste. Par exemple, je sais que j'avais. À un moment, je revendais du miel que j'avais acheté en June, du coup. J'avais acheté des cartons de miel et je les revendais à des gens et je mettais une petite plus-value pour justifier le fait que je me sois embêté à aller chercher le carton, etc. Et à un moment je me demandais si je devais pas en fait inclure d'autres choses, parce que moi ce que j'avais envie de faire, c'était, il y a des caisses pour donner aux développeurs de la monnaie libre par exemple, donc depuis le début il y a des caisses
Il y a des caisses en fait sur lesquelles on peut cotiser qui en fait rémunèrent ceux qui font tourner des blocs dans la blockchain, ceux qui enfin qui calculent des blocs, les développeurs qui maintiennent les logiciels, tout ça en fait c'est il y a déjà des systèmes de cotisation que des gens ont mis en place comme ça, et ça peut être n'importe quel individu qui met des systèmes comme ça en place. Et du coup moi j'avais envie de donner un petit peu régulièrement pour aux développeurs de donc à toi aussi, et en fait j'ai essayé d'inclure des fois dans le truc que je vendais le prix de ce que je voulais cotiser. Donc en disant, bah, mon pot de miel, je te le vends 200 junes. 200 junes si tu t'engages à faire un don au développeur ou à faire un don à quelque chose, à quelque chose que tu as envie de voir se développer dans la june. Si tu n'as pas envie de faire ça, bah, dans ces cas-là, je te le vends 500 junes, moi, le pot de miel, et moi, je vais cotiser de mon côté, en fait, pour payer les développeurs, etc. Et en fait, avec cet argument-là, bah, il n'y avait pas de problème à vendre des choses beaucoup plus chères. Parce que du coup il y a des gens qui voulaient pas forcément faire la démarche de dire ah oui je vais regarder en quoi je peux cotiser machin, mais en fait on peut le faire quoi. Donc et du, en fait on peut, j'avais fait des prix hors taxe et prix taxe quoi, et mais les taxes en fait je les donnais pour cotiser pour des autres choses quoi. Donc je sais que ça peut aussi faire partie de la formation du prix. Il peut y avoir le prix auquel on veut vendre la chose et puis rajouter aussi dessus tous les services auxquels on veut cotiser quoi. Et donc, imaginons qu'on ait, je sais pas, je dis ça pas complètement par hasard, mais quelques médecins qui accepteraient la june pour soigner des gens. Et ben, voilà, il pourrait y avoir pas mal de citoyens qui utilisent la june, qui pourraient avoir envie de cotiser un petit peu, par exemple, 1% de leur DU tous les jours, dans une sorte de sécurité sociale citoyenne libre, qui serait là. Et puis de se dire, ben, vas-y, je cotise, quoi. Et peut-être que du coup, si on arrive à rémunérer le travail de gens, médecins, instituts, profs, pourquoi pas quoi. Il y a un système qui s'appelle June Formation aussi, où il est possible de proposer des formations, que ce soit dans tout le domaine, quoi, pour faire l'éducation populaire, quoi, un outil qui nous servait à ça. On pourrait financer ça aussi en faisant des cotisations. On pourrait donc voilà. Je ne fais que donner des idées, et c'est histoire de conclure, à moins que vous ayez envie de conclure sur des choses plus concrètes. Et sinon, on peut passer aux questions-réponses pour ceux que ça intéresserait. Parce que je vois qu'il y a des questions qui sont en dessous et j'ai pas noté les deux questions. Moi aussi, la première, c'est est-ce qu'on envoie en colissimo? Oui, c'est pas mal pratiqué sur Géchange. En général, c'est l'acheteur qui paye en euros via colissimo. Mais après, alors il y a peut-être d'autres services comme colissimo, je sais pas, vas-y. Il y a le site Mobicop qui permet de faire du covoiturage et de payer en june. Et donc, en gros, il y a des gens qui se sont proposés, quand ils font des voyages en covoiturage de ville à ville, eh ben, d'en profiter pour emmener les colis, les choses comme ça, qui sont achetées à droite à gauche par les gens. Et ça permet de faire tout le transport en june. Voilà. Alors, comment créer un réseau dans un pays étranger? Comment connaître 5 personnes qui pourront certifier un compte? Alors, il y a... Il y a pas mal de gens de la june, s'est développé vachement dans les dom-toms. Et donc, il y a beaucoup de visios qui sont faites et beaucoup de gens qui se sont certifiés parce qu'ils connaissaient des gens là-bas, mais aussi par les visios. L'important dans la certification, si je peux me permettre, c'est d'être sûr que la personne que vous certifiez n'a qu'un seul compte, n'a pas plusieurs comptes, et que c'est bien, et que le compte que vous certifiez, il est bien maintenu par l'être humain qui est censé être derrière. Donc, c'est aussi se protéger contre les machines, en fait, hein, contre des gens qui voudraient faire plein de comptes membres et qui voudraient créer plein de monnaie par rapport à d'autres. Si on veut s'en protéger collectivement, il faut qu'on fasse un peu attention à qui on certifie et comment on le fait, parce qu'on peut vite se faire avoir, quoi. Si on peut pas rencontrer vraiment les personnes qu'on veut certifier, ce qui arrive, hein, ce qui peut arriver, en fait, il y a plein de moyens. On peut très bien déjà se dire, une personne que je veux certifier, si je l'ai jamais rencontrée, je peux essayer d'avoir son numéro de téléphone, son mail, son compte Cesium, d'autres moyens de la contacter. Si j'ai au moins 4 ou 5 moyens de la contacter différemment, que je connais des gens qui la connaissent, ce genre de choses, en fait, on réduit le fait que si la personne à qui on s'adresse, c'est quelqu'un qui veut faire plein de faux comptes, et qu'à chaque fois qu'elle veut faire un faux compte, les gens lui demandent d'avoir une adresse mail, un numéro de téléphone, et que la personne doit se démerder pour avoir à chaque fois des trucs différents pour faire croire que c'est pas elle, enfin... C'est super dur d'usurper une identité de quelqu'un, enfin d'usurper des identités, si on est obligé à chaque fois de justifier avec plein de moyens, quoi. Donc, ouais, Corinne, peut-être. Ce que je voulais dire, c'est que là, de toute façon, ça va se faire de proche en proche. Enfin, c'est le plus simple, c'est de les personnes dans le pays étranger en question. Le mieux, c'est qu'elles utilisent leur relation
qu'elles ont déjà en France pour essayer de se rapprocher de, des membres existants. Et puis sinon, effectivement, il faut, nous, on a une ligne de conduite qui est de connaître suffisamment, enfin, moi j'appelle ça avoir une raisonnable certitude que la personne en question n'a pas déjà un compte membre. Ce qu'on veut éviter, l'enjeu, c'est que chaque personne n'ait un seul compte membre au maximum pour ne pas avoir, générer plusieurs DU. Donc en fait, comme tu dis, prendre des renseignements sur l'identité et puis essayer de croiser les informations, de croiser les réseaux, voir quels réseaux sociaux sont utilisés, un profil de, sur tel et tel réseau, et puis voir s'il y a des connaissances communes, etc. Et l'idée, même si, si par hasard on s'est trompé, on a certifié quelqu'un qui finalement était déjà dans le réseau, et bien c'est au moins de pouvoir s'en rendre compte, avoir des éléments, comme tu disais, pour pouvoir s'en rendre compte dans un deuxième temps. Il faut savoir que les certifications qu'on accorde, elles durent chacune 2 ans. Donc, les 5 certifications dont on vous parle, c'est celles pour dénuder. Mais après, au fur et à mesure de vos échanges, vous pouvez en avoir plein des certifications. On en a en général plus que 5 à un moment donné, parce que celles du début, enfin, au bout de 2 ans, elles vont toutes désactivées au bout de 2 ans. Donc, ce qui compte, c'est d'en avoir toujours au moins 5 à chaque instant. Et donc, si par malheur on s'est trompé et qu'on a certifié quelqu'un qu'il ne fallait pas, de toute façon, cette certification tombera au bout de 5 ans. 2 ans, pardon. 2 ans. Je voudrais rajouter une chose. On m'a parlé de ça il y a 2 jours. Amandine, qui est dans la Jeune aussi depuis longtemps, elle me dit qu'en fait, elle avait parlé, elle était avec des Corses, et en fait, elle avait conseillé aux gens qui vivaient en Corse, en fait, si vous êtes dans un endroit isolé qui n'a pas beaucoup de gens qui utilisent la Jeune, vous pouvez toujours contacter des gens de votre famille qui sont à d'autres endroits en France, de leur dire « va voir la monnaie, va voir en rencontre à côté de chez toi ». Et les gens qui sont membres de votre famille, en fait, vont, eux, commencer aussi à rencontrer des gens parce qu'il y en a plus autour de chez eux, ils vont se faire certifier. Et eux, après, vu que c'est des gens de votre famille, ben, ils pourront vous certifier sans aucun problème, en fait. Et c'est aussi une technique qui pourrait marcher, en fait. C'est, voilà. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Pour la comptabilité légale entre les entreprises, il y a bien une conversion à l'euro qui doit se faire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, moi j'ai un élément de réponse, c'est-à-dire on peut aussi, enfin, quand on regarde les textes, il y a le troc entre entreprises est autorisé, et donc on pourrait imaginer que quelqu'un qui veut vendre, par exemple un minotier qui veut vendre de la farine à un boulanger, ils vont chacun enregistrer un troc. Alors le minotier il va troquer sa farine contre des junes, et puis le boulanger il va enregistrer un troc de junes contre la farine. Et après dans sa comptabilité, il peut marquer la valeur qu'il estime pour ces junes. Si par exemple la transaction est à 500 junes, peut-être qu'ils n'auront pas la même évaluation du montant en euros, mais chacun peut enregistrer dans sa comptabilité le troc qu'il a réalisé entre la farine et les junes qui ont réellement été échangés. Mais c'est un sujet qu'il faut encore approfondir, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas réellement le code, la fiscalité, en fait, elle n'est pas prévue. Et donc, on est obligé d'interpréter, de comprendre les textes pour s'en sortir. Oui, j'avais, sur cette question-là, j'avais un retour d'une personne qui travaille directement aux impôts. Et sa réponse était, typiquement, s'il y a un instrument qui est vendu en June, la question, c'est de voir à quel prix en euros ce même instrument a été vendu, par exemple, on va dire 60 euros. Et donc, qu'importe le prix en June, en fait, l'impôt sera basé sur l'équivalent du prix en euros auquel le magasin l'aurait vendu. Donc, c'était... Ok. Alors, sinon, il y a... Il y a un mec qui s'appelle Kimamila, Benoît Lavenier, qui est dans l'association Le Sou en Mayenne, qui est très actif et qui a développé Césium, etc., qui est très actif dans la monnaie libre, qui, du coup, je crois, utilise la June professionnellement dans son entreprise. Et lui, il disait que fin d'année, quand il faisait ses déclarations, il avait parlé à son comptable, et qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, ils estimaient, en fonction de ce qui leur paraissait juste pour eux, le stock qu'ils avaient en June à la fin de l'année,
et il estimait en euros. Donc, il estimait grâce à ce que disait Fréco, par exemple, hein, en disant, ben voilà, les junes que j'ai, je les ai parce que j'ai acheté ça. Donc, en fait, ça, j'estime tout ce truc-là, mes junes, elles m'ont servi à échanger ça et ça. Du coup, j'estime tout ça et j'ai une quantité en euros. Donc, en gros, il se fait une conversion à lui en disant, ben voilà, mon stock de junes vaut à peu près tant d'euros. Et du coup, dans son stock annuel, en fait, qu'il doit déclarer aux impôts, en fait, il inclut, en fait, son stock de junes en faisant une conversion qui le regarde lui. En euros, en essayant d'être assez honnête. Après, chacun fait comme il veut, mais lui, il essaie de le faire honnêtement. Et de toute manière, tant qu'il n'y a pas une valeur en euros décrétée par les impôts qui dit que un DU, ça vaut tant d'euros, on est un peu libre de le faire. Par contre, on est quand même libre d'estimer en euros ce qu'on a en junes, de le déclarer aux impôts, puis de payer en fait les impôts qu'on doit dessus, et au moins on peut pas reprocher. Et il faut surtout pas hésiter à appeler en fait un expert comptable, à appeler le service des impôts, à poser des questions. Et en fait, si on est très nombreux en fait tout le temps, tous les ans, de plus en plus à demander, mais moi j'ai des junes, je fais comment, je veux des junes, je fais comment, ben, c'est que comme ça qu'à un moment la question sera posée vraiment véritablement sur la table. Et peut-être que à un moment aussi il y aura peut-être des décisions qui tomberont en disant, ben voilà, la june ça vaut tant, et du coup Mais tant que personne ne se manifeste, voilà. Alors, et en même temps, l'État aura un problème pour graver dans le marbre un taux de conversion entre la june et l'euro, parce que la june, de fait, elle ne vaut pas la même chose d'une région à une autre. Parce que ça peut être le DU, du coup. Voilà, il y a june ou DU, il n'y a pas la même chose à acheter dans les régions. Dans les régions où il y a plus d'offres, finalement, on peut... La june a plus de valeur intrinsèque que dans les zones où on ne peut rien faire de ces junes de toute façon. Donc l'État, le jour où il se penchera sur cette question, va avoir une difficulté à décréter un taux de change entre la june et l'euro, parce que ça change d'une région à l'autre, et ça change même au cours de l'année, puisque finalement chacun peut c'est chaque transaction finalement qui l'a. Il y a la valeur évaluée du vendeur, il y a la valeur évaluée de l'acheteur, et puis ils se mettent d'accord sur un prix en june, mais ils ne seraient pas forcément d'accord sur un prix en euros. C'est assez compliqué de... Voilà, je ne sais pas comment l'État va résoudre cette question. Juste pour finir sur ça, sinon, pour ceux qui se posent vraiment la question, vous pouvez aussi, il y a une asso, je crois que c'est une asso, enfin en tout cas c'est un collectif qui s'appelle Econolibre à Toulouse, qui visiblement se penche un peu sur la question de la june avec les professionnels, un peu plus sérieusement que d'autres, et du coup ils font des visios, je crois, tous les samedis soirs. En tout cas, vous allez sur le forum Monnaie Libre et vous avez dans le calendrier, vous avez les visios de Econolibre, et je pense que ça, c'est le genre de questions à aborder parce qu'il y a des gens qui seront bien plus pertinents que nous, a priori. Ou alors, sinon, il y a aussi Kim Amila, de l'association Le Sou, en Mayenne, qui, je pense, pourrait répondre à ces questions-là. Sur le forum, vous pouvez l'interpeller, quoi. Voilà. Elle n'est pas condamnée à être une monnaie marginale pour être tolérée par le fisc comme une économie parallèle de survie. Oui, je considère qu'on a répondu à... Enfin, mon dernière intervention était pour répondre à ça. Pi. Alors Pi, grand utilisateur de la monnaie libre, probablement un des plus actifs dans les échanges, c'est incroyable. Mais oui, alors du coup, oui, on peut spéculer dessus. Si des gens veulent acheter des junes en euros, bah ils peuvent le faire. Après, quels seront leurs intérêts? C'est possible. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, tiens, la june se développe dans tel domaine, du coup je vais acheter plein de junes, comme ça je vais en avoir plein avant tout le monde. En fait, mon intuition, c'est que pas vraiment quand même, parce que la june, elle est quand même, comme la masse monétaire augmente constamment, il y a de plus en plus de junes, et elle a plutôt tendance à perdre de sa valeur avec le temps, et c'est pour ça qu'il y a un DU qui est réévalué tous les 6 mois. C'est le DU en fait qui suit la masse monétaire, qui représente toujours la même portion de la masse monétaire. Par contre, les junes, il y en a de plus en plus, chaque DU vaut de plus en plus de junes. On vous a dit qu'un DU c'était à peu près 10 junes, mais en fait ça augmente, c'est 10, quelque chose en ce moment, et c'est voué à augmenter parce que c'est le DU qui suit la masse monétaire. Donc si vous voulez spéculer en junes, pendant 6 mois, vos junes vont valoir à peu près la même chose.
Mais au bout de 6 mois, déjà, ça va être dévalué par le nouveau calcul, le calcul du nouveau DU. Donc, moi, mon intuition, c'est plutôt de dire que c'est pas tellement apte pour une spéculation. Mais ça n'empêche pas. Là-dessus, si je ne dis pas de bêtises, en fait, il y avait l'État qui a lancé un projet pour justement taxer donc la spéculation donc sur les crypto-monnaies. Et la JUNE n'est pas comptée dans ce projet de loi parce que ce n'est pas considéré comme une réserve de valeur par son aspect fondant de 10% par an. Donc, du coup, c'est plus une monnaie pour échanger qu'une monnaie pour spéculer et récupérer des euros après, quoi. D'ailleurs, on n'a pas de système direct pour récupérer les euros. Après, comme disait Corinne aussi, étant donné que la JUNE ne permet pas d'acheter les mêmes choses à droite et à gauche, c'est quand même possible d'échanger des JUNE contre des trucs dans une région pour ensuite aller les échanger ailleurs. Et en fait, des gens pourraient en fait essayer de tirer le meilleur parti de la JUNE quand même. Ça reste de la spéculation, au final. Tout à fait. Après, c'est par rapport à la spéculation du Bitcoin où on voit Tesla qui dit on accepte la JUNE, après on ne l'accepte plus, qui en profite pour manipuler les cours. Tout ça, on ne peut pas le faire en JUNE. C'était plus dans cette à ce niveau-là. Mais après, ça dépend de ce qu'on appelle spéculation. Bah, spéculation, oui. Après, oui. Je sais pas. À partir du moment où on pense que la JUNE va valoir quelque chose, donc on en utilise et qu'on c'est déjà un peu de la spéculation quand même, quoi. Au final. Mais bon, c'est pas le terme spéculation comme on l'entend pour d'autres crypto-monnaies où c'est le gain en euros. Parce qu'il y a quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies où en fait j'ai l'impression que beaucoup de gens utilisent des crypto-monnaies des fois pour simplement dans le but de les revendre pour se faire plus d'euros ou de dollars, quoi. Oui. Donc là, effectivement, là c'est un mode de spéculation bizarre, mais avec la JUNE, effectivement, pour l'instant, je vois pas ça, quoi. Oui, à mon avis, ça aurait pas beaucoup de sens. Si on a fini, il y a une autre question qui est intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres monnaies libres? En fait, la monnaie libre est un concept. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule monnaie libre en circulation qui est la JUNE, notée G1 avec une brève sur le G. Alors, un jour, il y en aura peut-être une autre, soit créée de zéro, soit créée à partir de celle qui existe par le système de bifurcation de fork dont tu parlais tout à l'heure. Mais à l'heure actuelle, il y a une seule monnaie libre qui s'appelle la G1, la JUNE. Ça n'existe plus le système de Merom, la monnaie M. Ça existe encore, ça, non? Il y avait au tout début en fait de la JUNE, il y avait un mec qui s'appelle Merom qui avait lancé un truc qui s'appelait Monnaie M, qui était centralisé, je crois, qui était quelque chose de ouais, c'était pas du tout comme la JUNE. Oui, c'est un site web dans lequel quand on s'inscrit, on gagne des unités avec une formule qui se rapproche de la monnaie libre, mais avec des petites incartades, mais on peut parler quand même d'une expérimentation de monnaie libre. Et donc avec ce dividende universel, il y a des échanges qui se font sur le site. Voilà. Donc c'est effectivement, quand on a démarré, dans tous les textes, on citait toujours MoneyM comme une des premières expérimentations informatiques disponibles gratuitement sur le web. Par contre, je crois qu'il n'a plus maintenu le site, je ne sais pas où ça en est, mais c'était pour lui juste une expérience, une tentative. Je crois que ça en est resté là, en fait, au stade d'expérimentation, mais il faudrait aller chercher le site Monnaie M. Et peut-être qu'on peut préciser que d'Unitaire étant un logiciel libre, Cesium aussi, tous les logiciels, en fait, j'échange, j'annonce, sont des logiciels libres, donc en fait, potentiellement, n'importe quelle équipe de développeurs acharnés qui voudraient passer du temps à le faire pourraient, en fait, peuvent démarrer une monnaie libre n'importe où. En soi. Oui, après, ça nécessite du travail, quoi. Ça nécessite beaucoup, beaucoup de travail et de compétences, effectivement. Mais le savoir est libre et en tout cas disponible sur Internet gratuitement, que ce soit la théorie mathématique et que ce soit nos logiciels. Alors, on travaille évidemment constamment pour que les logiciels soient les plus accessibles, mais c'est pas facile, parce c'est long, mais ça va arriver. Et bon, avec le temps, je ne désespère pas de voir que les logiciels soient plus accessibles et que du coup, on ait des expériences qui soient plus faciles à mettre en place dans d'autres pays. En Belgique, on a beaucoup, beaucoup de junistes en Belgique. On a une communauté qui est très active en Belgique et
et des Belges, j'ai envie de dire, de la première heure. Les Belges qu'on a vus en 2015, déjà, et qui étaient venus à Valence, je m'en souviens, et qui ont ensuite fait la promotion de la June en Belgique. Donc, il faut aller sur le forum. Sur le forum, vous avez une partie avec les collectifs en Belgique. Bon, ça me donne l'occasion de dire que c'est, moi je trouve ça formidable que des personnes se soient donné du temps de leur vie pour programmer et nous donner cette possibilité d'expérimenter la monnaie libre. Parce que ça aurait pu rester une théorie, mais là, depuis 2017, il y a une monnaie libre à expérimenter. Et voilà, tous ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils seront portés par l'expérience. Alors, je vois la question, là, le sucre de covoiturage, c'est Mobicop, M-O-B-I-C-2-O-P, Mobicop. Et ben voilà, il me semble que d'après le chat, c'est la dernière question. Voilà, ben, je pense qu'on peut s'arrêter là pour si ça vous va. Vous avez quelque chose à rajouter. Moi, j'aurais peut-être une conclusion à faire, effectivement, sur le. Donc, comme vous voulez, si vous avez d'autres trucs à dire aussi. C'est bon ? Non. Bah voilà, pareil. Voilà pour la perspective. Moi personnellement, je suis très enthousiaste parce que la monnaie libre pour moi c'est en fait un moyen qui permet en fait d'expérimenter tout de suite. C'est que ça a commencé avec une théorie en 2009. Pendant des années, il y avait des gens comme Vite, comme d'autres qui travaillaient. En fait, ils savaient même pas pourquoi. J'imaginais pourquoi ils travaillaient. Enfin, il y avait rien de, on pouvait pas expérimenter quoi. Donc et là, on peut le faire. C'est quand même fou. On peut, depuis 4 ans, on peut échanger. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a plus besoin de crier. On n'a plus besoin d'aller dans la rue pour dire, pour devant la banque centrale et dire ou les banques privées en disant oui, arrêtez la création monétaire, c'est chiant. Non, en fait, on peut le faire. On peut faire exister un système avec une monnaie à nous, en fait. Donc, il s'agit de le construire. Et voilà, il s'agit de le construire et de, alors, par contre, c'est pas sans effort. Hein. C'est sûr qu'il faut expérimenter. Mais par contre, voilà, autour de chez soi, on peut déjà tout de suite s'inscrire à la monnaie libre, regarder s'il y a des groupes de rencontres dans notre coin. On peut provoquer des rencontres aussi sur le forum. On dit voilà, il y a tous les outils sur la monnaie libre. On peut se géolocaliser pour montrer qu'on est là, qu'on existe. On peut faire des annonces. On peut. Et ce qu'il faut surtout, c'est provoquer des rencontres, quoi. De faire en sorte que les gens autour de chez soi qui utilisent la monnaie libre puissent se rencontrer, se voir. Et se connaître et en faisant ça déjà on fait naître un parterre d'échanges qui plus sera grand plus il sera résilient et plus il y aura de valeur à échanger en fait dans le réseau. À 59 au début il n'y avait pas grand chose à échanger, maintenant à 3200 on a déjà beaucoup plus de choses quoi, et c'est parce qu'on est un peu plus nombreux aussi que on a pu voir des motos, des voitures, des maisons, des machins à passer à droite à gauche qui ont été échangés en June. Chose qu'on n'aurait pas pu imaginer, j'imagine, il y a 10 ans, quand vous étiez 4 vite et tout, quand vous étiez 4 dans la ORML, là, je ne sais pas si vous aviez imaginé que 10 ans après, il allait pouvoir avoir des échanges de véhicules ou de trucs comme ça. Enfin, c'est... Et donc, du coup, on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, mais en fait, on peut le construire nous-mêmes, quoi. Et donc, perspective, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà aussi, on peut déjà faire des liens autour de chez nous, essayer de faire exister déjà la June dans les échanges concrets entre humains. Et ensuite, après, on peut passer à la deuxième étape, de voir l'économie un peu plus grande. Et de se dire, mais quels sont les modèles économiques qui ont marché en fait, dans notre société, en France par exemple. Et juste pour en citer quelques-uns, mais là pour le coup, tout le travail de chercheur de Bernard Friot, moi je le trouve très, 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 très intéressant quand il parle de comment lui voit économiquement ce qui s'est passé avec la sécurité sociale, le chômage, les retraites et les allocations familiales. Toute cette histoire en fait, qu'on a eue en France, en fait, on pourrait très bien s'en inspirer pour commencer à financer des choses de plus grande envergure avec la monnaie libre, sans avoir besoin de faire de manifestations, sans avoir besoin de demander la permission, sans avoir besoin de quoi que ce soit, juste en s'organisant entre citoyens. Et voilà.
Donc moi je trouve que c'est on a du pain sur la planche, mais au moins ça est, on a autre chose à faire que de gueuler contre contre les puissants quoi. Puis aussi c'est, en fait, c'est hyper positif plutôt que dans l'effet de voir tout ce qui ne va pas aujourd'hui. C'est génial de voir des gens hyper positifs dans les rencontres qui aussi proposent différentes solutions dans d'autres domaines. Donc c'est il y a une effervescence autour de la monnaie libre qui est très enrichissante. Donc ça aussi c'est vraiment encourageant pour la suite. Et moi aussi ce que je vois, même si aujourd'hui donc il y a pas de ça reste 3200, c'est pas encore étendu partout dans tous les villages. Et ce que je veux dire, c'est que ça permet notamment de poser la question d'une critique actuelle donc de la monnaie dette et de montrer que c'est possible de trouver des solutions. Donc c'est une proposition de solution. Donc on vous la prenez ou pas, mais c'est moins actif. C'est pas juste on attend, on espère que les choses vont changer. C'est nous qui décidons de les changer et on y va. C'est parti quoi. Il n'y a pas de limite. Donc ça c'est le fait que ce soit hyper positif et on a besoin de solutions. Alternative positive aujourd'hui et ça fait vraiment du bien, on voit du monde et ça permet de faire beaucoup de choses bien pour la société. Oui, moi aussi je savais pas où j'allais quand on était quatre et on tapait des lignes de code en se disant on fait une monnaie, bon bah voilà, on fait une monnaie, on est quatre, c'est super. Bon après quand même voilà, on était 59, on se dit bon il y a quand même des gens qui nous suivent, on est 60, bon voilà c'est pas mal, et maintenant 3200 c'est super, moi je trouve ça vraiment super parce que c'est possible, voilà, c'est vous tous ceux qui sont venus et qui sont à venir aussi qui permettent de dire eh ben voilà, vous faites pas ça pour rien, il y a un besoin, il y a une nécessité pour cet outil. Et puis on va pouvoir parce que effectivement tout ce qui est comme tu disais cotisation sécurité sociale toutes ces cagnottes en fait dès qu'un projet veut se monter quelqu'un veut monter un projet la première question qui va se poser c'est le financement et c'est tellement verrouillé c'est tellement fermé c'est tellement bloqué de partout que ben voilà on tente quelque chose on tente une alternative et là on fournit de la monnaie qui peut-être pourra résoudre ce problème de blocage et ce problème d'être empêché de faire des projets. Et voilà, donc j'espère, je suis très très content de participer à ça et j'espère que ce sera encore plus accessible, encore plus étendu et encore plus ouvert. Voilà. Corinne, une conclusion ou pas ? Oh ben j'ai rien de plus à ajouter. C'est vrai que je ressens ça aussi, que les citoyens qui peuvent décider ce qu'ils financent globalement. Parce que là, aujourd'hui, il y a des grands projets inutiles, il y a des choses qui ne correspondent certainement pas au choix des citoyens de là où ils voudraient mettre leur argent, leur impôt. Donc, on va pas remplacer tout ça, mais en tout cas, c'est un moyen de dire, ben moi, j'ai envie de voir tel projet prendre de l'ampleur. Donc, c'est comme ça que je filme. Non, ben. Bah, super. Bah, en tout cas, moi aussi, je voulais tenir à remercier Prenez Place aussi, parce que c'est super de pouvoir parler de tout ça avec le temps qu'on a. Moi, ça fait la troisième fois que j'ai la chance de passer de passer du temps à parler de la monnaie libre et à confronter un peu ses idées avec d'autres personnes. Moi, je suis simple utilisateur de la monnaie libre. Hein. J'ai pas fait d'études d'économie, de quoi que ce soit. Et c'est déjà un gros privilège de pouvoir discuter avec des gens comme c'était avant là et puis participer à toute cette effervescence et puis et là qu'on puisse être entre citoyens non spécialistes non économistes qui simplement expérimentons la monnaie libre. Moi je trouve que c'est super d'avoir cette tribune là dans un mouvement comme ça et Prenez Place dans ce que j'en avais compris en fait, mais Emmanuel pourrait corriger, mais il y avait aussi un aspect rendre en fait à nous tous citoyens le débat sur la monnaie, et donc et ça nous incite à prendre place vraiment quoi dans le débat et de dire ben voilà la monnaie c'est notre outil, c'est à nous de, et donc c'est super quoi de faire déjà un truc sur ce sujet-là, d'avoir autant d'échanges constructifs et d'apprendre plein de choses comme ça avec tous les débats qu'il y a eu. Et puis voilà, d'avoir une telle tribune pour la monnaie libre, c'est franchement, merci beaucoup d'avoir donné autant d'attention à ça, Emmanuel, Samuel et tout ça. Voilà.
voilà, pour la fin, je ne sais pas comment finir ça, mais en tout cas, et merci à tous d'avoir participé à ça, quoi. C'est cool.